Salut à tous, bienvenue dans la Cité du Swag, un événement Minecraft organisé par IPR qui s'est déroulé du 25 juin au 3 juillet. 9 jours de tryhard durant lesquels se sont affrontés 8 équipes de 12 joueurs, 96 streamers ou simples invités qui n'avaient qu'un seul objectif, être l'équipe ayant rapporté le plus de points et finir en tête du classement. Vous connaissez certainement de nom la Cité des Sables ou encore pourquoi pas la Cité des Éléments. Eh bien c'est la même chose ici, l'objectif d'une cité c'est de ramener le plus d'émeraudes possible, ici dans cette cité nommée Swag Coin, en échangeant cette monnaie virtuelle contre des ressources. Chaque ressource a donc un prix qui évolue au fur et à mesure de la semaine et c'est à nous de gérer au mieux cette économie et d'établir la meilleure stratégie de jeu en vendant les objets les plus rentables. J'ai eu la chance d'être invité à cet événement en tant que capitaine d'équipe. J'ai donc pu constituer la team Mafia UHC. 12 joueurs que vous connaissez bien, vous les voyez très souvent jouer dans mes vidéos pour la plupart. Gep, Nanox, Titi, Bichard, Restop, Narco, Dali, Lo, Fuka, Yann, Ninjax et moi-même. 2 ans après ma dernière cité, nous étions déterminés à montrer que nous savons faire également autre chose que du PVP. Que nous avons des connaissances sur le jeu, que nous pouvons toucher à n'importe quel domaine. Et tant mieux, car dans cette cité, il allait falloir être bon dans tous les aspects du jeu, car il y avait plusieurs classements. En premier lieu, le classement global d'argent. La team la plus riche est donc première, et l'objectif principal des cités en général, c'est d'être premier dans ce classement-là. Mais il y avait également, pour la première fois dans une cité, un second classement d'épreuves. Chaque soir se déroulait une épreuve sur un thème de Minecraft. De la survie, du minage, du build, du jump, du PVP, et j'en passe. Il allait falloir sélectionner chaque soir les meilleurs joueurs dans chaque catégorie, afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles dans chaque épreuve, et atteindre le top du classement épreuve. Le classement final sera un cumul de ces deux classements, farm et épreuve, chacun comptant à 50%. Par exemple, si nous sommes premiers en classement farm mais 8ème du classement épreuve, nous ne serons certainement que 4ème ou 5ème du classement final. Autrement dit, il allait falloir être bon de partout. Bienvenue dans la cité du swag, l'événement le plus intense qu'on ait pu vivre. Bienvenue dans la team Mafia UHC. Voici notre histoire. C'est certainement la vidéo qui m'aura demandé le plus de temps et d'énergie. Et le seul truc que je vous demande en échange, c'est de vous abonner à la chaîne. Ce type de vidéo prend des jours entiers et des nuits blanches à réaliser. Et pour l'avoir fini là, je pense pouvoir vous dire que c'est certainement ma meilleure vidéo. Donc abonnez-vous, parce qu'il y a pas mal de gens pas abonnés, et c'est pas super cool. Bon, on va faire vite pour lancer. Vous êtes tous connectés dans la cité du swag. On est parti pour un peu plus d'une semaine, je crois, parce que ça finira samedi prochain, donc pour 8 jours. Salut la team qui va gagner là. Bon, vous avez vu, on est 9. Oui, on est 9 ce soir à la place de 12. Et dans cette cité, on partait avec un petit désavantage. Il faut dire que les dates ne tombaient pas forcément au meilleur moment. Premièrement, Gep était en vacances les premiers jours, il allait arriver à la moitié de l'event. Et Titi, lui, allait partir 2 jours avant la fin de l'event. Et pour évidemment corser le tout, Nanox, lui, avait des soucis de connexion le premier soir, et vous le verrez, ce n'est pas le seul qui va en avoir. Nous sommes le vendredi 25 juin, il est précisément 21h, et la cité du swag s'apprêtait à démarrer. J'ai décidé de tout vous raconter, tous les moments positifs, négatifs, tous les fous rires, tout ce qu'on a ressenti tout le temps. Ah c'est bon, on est parti. Je sais pas de quel côté c'est. Attendez que tu pars. Mesdames et messieurs, on est parti pour la cité du swag, c'est le premier soir, c'est parti. Je sors de la cité, Oh, il y a un truc à bateau. Eh frère, vas-y viens, on va commencer à miner, on s'en fout, on verra la cité plus tard. Faut que je cache l'écho. Oui, faut que tu caches l'écho. Bon, la première étape d'une cité, c'est bien évidemment de construire une base. Tout est autorisé dans ces événements. Pillage des bases, vol de ressources, tout. L'objectif donc, c'est de s'éloigner un maximum. De trouver un spot où personne ne pourra nous trouver. Car il est évident que certains vont se balader des heures et des heures pour nous chercher. Comme on n'avait pas fixé de mission précise à chacun, Bichard et moi sommes partis pour trouver ce spot, pendant que les autres commençaient à farm des ressources. Cependant, il allait falloir se dépêcher, car le PVP était activé dès le début. Faut rester dessus. Ouais, en gros, tu sors de la cité en fait. Attends, mais mec, il y a déjà le PVP, viens, on va leur casser la gueule, viens. Attends, pourquoi? Je vous préviens, il y a un classement par équipe. Le celui qui est dernier qui a fait perdre trop de points à l'équipe, il est affiché sur de partout, attention. Ah putain, mais tu veux qu'on tue Néolithique? Saveur d'Orient. Il a un plastron en fer juste. Il est à côté. Oh, il est mort, frère, il est dead, il est dead. T'inquiète, Bichbouche, on le fume. Chez les gamers. Non, mais c'est chez nous. Moi, je dis, faudrait se. Il y en a qui vont voir les potes, voir ce qu'il faudrait farmer en premier, les potes. Mais justement, c'est le dernier Jax. Les gars, qui s'en sert. Mais Yann, il est en plein tableau Excel là, t'inquiète. Ouais, c'est parfait, acheter. Parfait. Moi j'adore cette. Ouais, let's go. Ah, c'est pour acheter l'appartement. Allez, viens, on a du stuff, mec. C'est énorme. Eh, j'ai des carottes et tout. Mais va-t'en, appartement, parce qu'il faut qu'on les garde. Moi je vais faire ma base, hein, loin, c'est bon, mec. Hein. Oh, y'a un petit en face. Attends, y'a un autre mec en face. Bah, moi je suis chez lui là. Vas-y. Mais Gil qui bute tout le monde. Frère, moi je bute tout le monde de toutes les tiges. J'en ai rien à foutre, on se casse, Bichard. On se casse avant qu'il nous tue là, parce que je t'avoue que là, on est là. C'est un excellent début pour nous. J'ai récolté tout le nécessaire pour bien débuter une cité, à savoir tout pour faire des champs et de l'agriculture. Souvent dans ce type d'événement, ce qui marche le mieux, c'est justement de prévoir sur le long terme et de surtout pas se limiter à un seul truc comme on l'avait fait dans la dernière cité. Ici, toute l'agriculture était déjà prête pour nous avec mes 2 kills. Notre objectif à présent pour Bichard et moi, c'était de partir le plus loin possible pour trouver un spot pour construire la base et les usines. Pendant que Yann et les autres analysaient eux tous les prix et établissaient des tableaux de ce qui était le plus worth à farm et à vendre.
Là, c'est l'écho où on va, je pense, se poser. Les potes, on va se poser parce qu'il faut vite commencer à faire les fermes. Ouais, venez, mais viens au même endroit. Et moi, j'arrive. Tu veux t'occuper des temples et moi, je m'occupe de la base. Environ une heure plus tard, on trouve le spot idéal avec Bichard. En se baladant loin, très loin, on a trouvé également des temples de la mer. Et on s'est dit que ça pouvait nous servir si on les exploitait. Le seul problème, c'est qu'on avait aucun stuff. Et si on mourait, clairement, on allait respawn au centre et tout ce qu'on a fait depuis le début n'allait servir à rien. On a donc décidé de ne prendre aucun risque. Les bleus, ils sont vraiment pas loin des coups qu'on a envoyés hein, dans le chat. Ah ouais. Faites gaffe. Et bah, on va faire une base à l'opposé peut-être. Qui se troque mal. Trop marrant. Genre c'est interdit quoi, non, t'as pas le droit d'appuyer. En vrai c'est un avantage gros. c'est du cheat, mais t'as vu ton gaspille c'est bien sûr. Tu mens ou arrête de mentir comme ça là. Tu mens comme tu respires. Ok, biche bouche. Je suis... J'ai les premiers blocs d'or, voilà, je te le dis, j'ai le jeu de deuxième temps. Ça existe ou pas le bambou? Non, ça existe pas le bambou je crois. Le bambou? Le bambou? Ça existe dans le futur version. Ne pas dire l'autre mot bien sûr. Le bambou par là. Le bambou par là. Je sais pas si c'est de ça dont tu parlais. C'est bon, j'ai mais fait le premier temple, allez, on va faire le deuxième maintenant. Et je te jure si que le light map, c'est plus cher. Ouais, je veux dire, c'est le sprint, voilà. ça rajoute pas quelque chose qui n'existe pas. Bon, les gars, 16 blocs de gold, pas, on est bien là. Est-ce que tu as récupéré, Bichard, les éponges de tes trucs? Non. Apparemment, c'est OP. Hein. Pourquoi? 10k unités, j'ai lu. Ah oui. Ah, les éponges. Oh, que ce mot me traumatise. Voilà ce qui va représenter une grande partie de notre soirée du samedi soir, la recherche d'éponges. Effectivement, Titi n'avait pas tort. Les éponges se vendaient extrêmement cher. Et puis, de toute façon, Ninjax en avait besoin pour réaliser la future usine à Guardian. Comme on avait deux temples, on s'est mis à la recherche des salles d'éponges. Pour ceux qui ne connaissent pas trop Minecraft, vous pouvez potentiellement en trouver une autour de la salle du boss. Mais j'ai bien dit potentiellement, c'est-à-dire que c'est pas sûr. Sauf que nous, on connaissait pas trop Minecraft. On avait jamais cherché de salle à éponge. Et le chat nous a clairement dit qu'on était à chier, vous comprenez ça? Eh, on est à 101 000 coins, bon on a déposé zéro mais c'est pas grave, parce que nous on s'occupe plutôt de la base. Les autres vendent direct le plus important, puis ensuite nous on aura fait les bases et les premières usines, et du coup, en fait on fait les trucs chiants en fait en gros. Genre tournez au même endroit, je vais creuser là sur la salle principale, mais attendez, on va aller voir. Bon bah sans les sauts de lait, c'est un peu chiant, on va pas se mentir, c'est un peu relou de fou. C'est la full galère hein. Oh, il a ramené une vache. Oh, le boss. Y a ah, tu es le boss frère, tu es le boss. Merci frérot, merci. Ah, je suis mort frère. Je sais pas si vous vous rendez compte qu'on est carrément arrivé à un stade où on est allé chercher une vache pour la mettre au-dessus du temple de l'eau. Oui, car il nous fallait absolument 650 sauts de lait puisque les guardians nous mettaient mining fatigue toutes les 15 secondes. Il me fait trop peur, il est énorme. Tu l'as vu ou pas? Il est énorme. C'est quoi ce gros poisson là? Mais oui, t'as vu, il est énorme. Allez mon gars, ça dégage. Oh putain, les dégâts frère. Ok, c'est bon. Bah, voilà, j'ai une deuxième éponge. Ok, deux éponges, c'est pas mal ça en vrai déjà. Donc ici, on creuse sur les quatre coins, on est d'accord. Là. Là ça sort. Là y'a quoi en dessous? Y'a que dalle là en dessous, on est d'accord. À mon avis c'est juste c'est nous qui sommes nuls à chier frère. Franchement, non. Je vais pas te mentir, à mon avis ça sent vraiment que... Je te jure que je suis pas nul moi. Je n'ai jamais vu ça dans Minecraft, je fais des UHC, je tape des gens, pas des poissons, c'est trop hein. Non vraiment, je ça m'énerve. Je me casse de là, je me casse. Et finalement, y'avait rien. On a cherché deux heures pour que finalement il y ait même pas de salle à éponge dans les deux temples. Les seules éponges qu'on a récupérées, c'est celles qu'on peut obtenir en tuant le boss. Mais on a perdu deux heures pour ça et vraiment ça partait pas bien là. On en pouvait plus frère, je te jure, j'avais les nerfs à vif là. Je vais la prendre. J'avoue, comment faire descendre ta vache là? Attends. Avec j'ai une idée, mais elle pue. On casse le bateau et on espère qu'elle coule pas quoi. Mais non, justement, faut qu'elle coule, faut qu'on la descende. Ah, mais va falloir ouvrir grand hein, pour qu'elle rentre. Hein. Je te le dis. Tu parles de quoi là? Oui, normalement. Ouais, on a fait 2h30 de temple aquatique, c'est bon. J'en peux plus, c'est bon frère, j'en ai marre. Jamais je veux refaire ça de ma vie, c'est vrai. Je n'en refais plus jamais ça de ma vie, hein, c'est bon les gars. J'ai chaud, j'en ai marre de tout, vraiment, j'en me saoule. Je sais... Mais qui a l'idée? Non, mais vraiment, c'est la cité de mes fous. Pourquoi on nous a attribué à cette tâche-là, frère? Et les autres qui sont en train de vivre leur meilleure vie, ils sont en train d'explorer et tout. On a donc totalement changé de cap, on est parti sur la création de la base. Et rapidement, je me suis aperçu, grâce au conseil de Yann, que ce qui se vendait énormément sur ce premier soir, puisque les prix baissaient au fur et à mesure que les jours passent, c'est-à-dire plus il y a un item vendu, plus il allait baisser de prix après, ce qu'il fallait absolument farm ce soir-là, car ça allait vite descendre, c'était la prismarine ou la paquet d'ice. Mercuro qui a vendu 430 000 déjà. La prise marine, c'est les blocs normalement. Ah oui, putain, t'as pas fait d'effort là. Ah, j'avoue. En tout cas, c'est vraiment. Attends, mais t'en as vendu plein là. Bah, j'ai 36 000 quoi. Ah oui, c'est trop bien, hein. C'est trop bien, mec. Hein. C'est OP as fuck, mec. Faut aller miner ça en fait. Et là, j'ai dit, ok, m'en dis pas plus, j'en fais mon affaire. Et un peu plus tard dans la nuit. Hop là, bon ça va quoi? Vous avez fait quoi depuis Marguerite? Je me suis endormi. On a farmé beaucoup de clés et en vrai on est bien remonté là. Regarde, on est à 1 million, on est repassé 3ème alors qu'on était vraiment très bas. Et on est en train de faire ça et là on épuise nos temps parce qu'en fait on s'est rendu compte que miner la prismarine c'est hyper rentable de fou. Donc en fait c'est tout ce qu'on fait. Voilà. Toute la nuit je n'ai fait que casser des foutus blocs de prismarine. C'est simple, j'ai rasé quasi totalement un temple pendant que les autres étaient tous partis dormir. On était plus que 4 à jouer je crois. De minuit à genre 4h du matin, je n'ai fait que ça, tout en discutant avec le chat d'absolument tous les sujets du monde. Et finalement c'est passé assez vite. Presque aussi vite que la montée en flèche de mon score. Encore si tu pouvais slash up en dehors de la cité. Vas-y, j'essaie de monter à 2 stacks de frère, terre, c'est frère, mais je vais vendre... Ah oui, 400 000, c'est ça, hein. Bah, je vais vraiment vendre 1 million, là. Tu vas passer top 2, je pense. T'es à 2, le charbon? Non, mais c'est sérieux, ça, frère? Ils ont pris mon portail. Ils l'ont cassé? Non, mais ils sont sortis de notre portail, là, en fait. Ah, chez nous, là? Ouais, Murphy. Mais...
Quoi? Mais comment il a trouvé ce portail, frère? Sauf que voilà le problème, les bleus m'avaient suivi dans le Nether et ils savaient tous à peu près où j'allais. Ils se doutaient donc que la base ne devait pas se trouver très loin. Et ça, c'est pas fou. Néanmoins, j'avais pas perdu grand chose. Juste un petit peu de stuff diams et une pioche, rien de bien dramatique. J'ai donc continué ma mission jusqu'au bout sans perdre la motivation. Je m'étais fixé un objectif et c'était ça qui m'aidait à me motiver, atteindre les 1 million de swag coins en une soirée, ce qui est vraiment énorme. Je vous rappelle que j'ai commencé à farm au bout de 4 heures quand même, après avoir établi la position de la base, fait les temples, passé 2 heures à chercher des éponges pour rien, et puis après bien du temps de jeu, de farm et de fatigue. Voilà, 425 000, hein. J'ai 1 million perso moi. Et t'es encore en coffre? Je suis quatrième là. Et ouais, il m'en reste un peu, mais en gros, avec si je ramenais ce qui me restait, je pourrais passer le troisième. Je finis donc cette première journée à 1 million de swag coins, c'est-à-dire un tiers du total de la team. Notre team était donc troisième du classement général et moi j'étais top 4 joueur. Ah, j'ai pas chômé, ouais. Bref, une bonne nuit de sommeil et on est reparti pour le jour 2. Jour important car la première épreuve allait avoir lieu. Bon, clairement, j'ai dormi que 4 heures, j'étais totalement claqué. Notre deuxième journée se résume donc à farmer les ressources les plus simples pour aller les vendre. À nouveau de la prise marine qui m'a en 3 heures presque fait gagner un deuxième million, puis de la clé, puis des champs de pastèques et carottes grâce à ce que j'avais amené la veille. Big up à l'eau d'ailleurs qui avait construit d'énormes champs de pastèques et de carottes et qui faisait des dizaines et des dizaines d'allers-retours pour remplir les coffres de la base. C'est sûr que c'est carrément efficace, mais c'est surtout très très long quoi. Et pour l'instant, pas très rentable. Mais c'est pas grave. Comme dit, on visait surtout le long terme et pas l'efficacité forcément au bout de 10 heures de farm. Faut bien se rendre compte qu'une cité, c'est en général plus de 100 heures de jeu. Donc c'est très rapidement redondant et en général plus t'approches de la fin moins il y a de gens qui jouent, donc tranquille, au pire on remontera le classement plus tard. Le malaise, hein, il y a un malaise là, mais moi j'ai rien fait de mal, j'ai rien fait de mal, j'ai très bien fait, mais tu l'as très mal fait. Les pastèques, ça apporte vraiment pas grand chose quoi. 20h30, on arrive donc à plus de 6 millions, et là déjà on constate qu'on n'est pas très bien parti. Les gris sont actuellement premiers avec plus de 20 millions, 10 millions de plus que les deuxièmes qui eux ont 3 millions de plus que les troisièmes qui eux ont presque 1 million de plus que nous. On est donc actuellement 4e du classement général et 4e de la cité. Même en farmant autant de champs, on s'est rendu compte que c'était juste beaucoup trop long à faire avec des simples allers-retours comme ça. On avait de plus pas encore la possibilité d'aller faire l'end, réservé pour un event, donc pas de shulker, et en aller-retour valait donc uniquement 60 000. C'est bien, mais c'était pas si énorme que ça si on voulait tenir la cadence par rapport aux autres teams. D'autant plus que la prise marine était terminée, le prix avait radicalement chuté, c'était plus trop la peine de farm ce bloc pour l'instant. Il allait donc falloir trouver une autre stratégie, et ce rapidement. Mais en attendant, il allait falloir se reconcentrer sur un autre truc important dans cette cité, les épreuves. 21h, début de la première épreuve, épreuve de minage. J'attends que tout le monde arrive. Bon, on va soon lancer l'épreuve de minage. Je le rappelle, il y a tout écrit dans annonce, dans règlement. Comment va se passer cette épreuve de minage? Ça dure 2 heures, il faut miner plein de trucs, voilà. 2 heures par les minerais. Autre information, je vais de ce pas vous lancer le paint dans information. Ah, de l'event de demain. Le paint, boum, je l'upload, je la montre. Et pour ceux qui ne voient pas, pour décrire ce qui se passe, c'est un symbole nucléaire. Alors, allez, bonne chance à vous. C'est quoi l'épreuve, frère, de demain? Des creepers pour moi. Tu penses c'est des creepers? Il y a les gens dans mon chat, ils ont ces creepers ou survie à des, à des vagues de mobs. Autant vous dire qu'on espérait fortement que ça ne serait pas l'épreuve de build le lendemain. On espérait vraiment que l'épreuve du dimanche allait être une sorte d'épreuve de PVE avec des survies de mobs, de vagues, de je sais pas quoi, tout ça, t'as compris. Pourquoi est-ce qu'on voulait tant éviter l'event de build? C'est parce que dans la team, il y a 2 joueurs qui savent build. Gep, qui était en vacances, et Ninjax, qui avait des problèmes de connexion. Donc autant vous dire que si l'épreuve de build se déroulait jour 3 ou 4, on allait clairement être dernier. En attendant, l'épreuve du samedi soir, c'était l'épreuve de minage. Règle très très simple inspirée du tournoi de minage de l'Ecube pour ceux qui s'en souviennent. Nous avions 2 heures pour miner le plus de ressources possible. Le nombre de participants par équipe est de minimum 5, mais il n'est pas limité, c'est-à-dire qu'on pouvait venir à 12 si on le souhaitait. Cependant, attention, le nombre de minerais total qu'on aura récupéré à la fin de l'épreuve sera divisé par le nombre de participants total dans chaque équipe, forcément pour l'équité. Donc forcément, si tu vas à 12, tu divises ton score par 12. La meilleure stratégie est donc en réalité d'y aller le moins possible et d'envoyer les joueurs qui sont le plus compétents en minage pour que ce soit le plus optimisé possible, dans le but que le score soit le moins divisé possible. Cependant, numéro 2, nous n'y sommes pas allés à 5. Et pour une raison importante, nous gardions à la fin tous les minerais. Et comme dans ce jour 2 on était vraiment dans le mal dans tout ce qui est diamant, fer et j'en passe, bah on s'est dit qu'on allait peut-être sacrifier une épreuve dans le but de gagner du temps sur tout le reste de la cité après. Forcément, si tu vas à 12, tu récupéreras beaucoup plus de minerais qu'à 5. Mais bon, faut pas non plus abuser, on va pas y aller à 12 quoi. On est donc parti à 6, c'est-à-dire un de plus que ce qui était recommandé. C'est déjà pas mal. Fuka, Nartko, Restum, Bichard, Nanox et moi-même. Le barème est simple, chaque minerai brut rapporte des points comme suit. Un stuff nous est fourni, interdiction totale de prendre le nôtre, et on minait dans un monde différent qui était le même pour toutes les équipes. Donc pas de question de chance sur l'acide, c'était surtout une question d'optimisation qui allait faire la différence. Voilà, ça commence, c'est parti. Ok. Et évidemment, faut tout miner avec sa touch. Il y a rien par contre. Ce qui fait des points, oh là là, c'est pas... Ouh la jungle. On a le pire spawn possible. Hein. On a pas le pire là. Spawn. Mais on a tous le même spawn, hein, je pense. Par contre, on a pas la pioche, c'est normal. Tout le monde a la même. Non mais prenez du bois et surtout prenez la bouffe. C'est zéro. Je suis parti en plus, c'est zéro. Vas-y. On s'en fout, il y a pas de PVP. Ouais ouais,
non. Non, y'a pas de PVP. Slash pioche. Non, non, non. Y'a que nous sommes. Slash pioche, les gars. Oh putain, c'est une vieille stick touch toute seule. Du coup, on s'en fout du charbon, on est d'accord, on s'en fout. Quand t'es en script mine, prends-le, je pense. Ok, d'accord. Moi, j'ai déjà 18 points là. Tu pensais que faire une table d'enchant, c'est pas plus worse en fait. Ouais, j'y pensais, j'y pensais. En fait, je crois que si tu rajoutes des titans dessus, tu baises Breakable, non? Donc, c'est pas vraiment un enchantement. Ça, je pense que c'est pas le faire. Moi, je pense que faire une table d'enchant, frère, c'est. Mais bien sûr, c'est en 2 heures. Mais c'est 2 heures. Et tu veux enchanter quoi, mec? Bah, une pioche et tu fusionnes les pioches. Je pense que ça retire une breakable. T'as retiré une breakable. Ouais, du coup, même si tu peux la réparer, même si tu peux la réparer, c'est bien. Moi, je vais faire ça. Fais-le, mais ne fusionne pas avec Passive Touch. C'est volontaire que ce soit flou. On nous a pas précisé le truc. C'est bizarre qu'on puisse le faire. Bah, je pense que c'est volontaire pour que certains le fassent en fait. J'ai de la canne, mec. J'ai de la canne. Je vais chercher des vaches et je retourne cave. Je vais faire la table. Moi, si je vois combien il y a déjà. Vous allez vraiment vite avec les filles de là? Bah, attends, là, je suis en cave pour le moment donc. Putain, des caves de fou, hein. Moi, ce que je trouve ça cool, c'est qu'on garde ça après. Parce qu'on aura dû faire jusqu'à la fin de la cité, là, vraiment. Ah oui, ouais, ouais, ça, puis en plus, on va avoir massif. Après, on se fait baiser par le diamant, par contre. Hein. C'est vrai. Oh, sa mère. Actuellement, la base, elle est grâce à moi. Mais il a explosé un stuff. J'ai le stuff, attends, je peux trouver ton stuff. Non, mais moi, je l'ai, t'inquiète. Mon stuff va dépop, les gars. Vous m'avez donné les mauvaises coordonnées dans le chat, là. C'est pas du tout les coordonnées que vous avez dit. Et bah, y'a plus rien. Bah, j'ai tout perdu. Ça. Il me reste la canne à sucre qui me sert à rien, ouais. Bah, le coffre est full en fait au centre. Quoi? Ça disparaît. Ah, ça m'a détruit les oreilles. Quand j'ai fermé le coffre, ça a fait le bruit. Ah, ça m'a éclaté les oreilles. Ça a fait le bruit d'XP, frère. Mais en genre, tu vois, le ear rape. Attends, ça fait mal aux oreilles? Non, t'inquiète, en vrai, ça va. C'est juste parce que j'ai fait. Ah, la vie de ma mère, mais c'est quoi ton truc là? Oh, mais ça explose les oreilles. T'as vu, frère? T'as mis la biche-bouche? Bah, t'en as 4000, hein, je pense. Hein. Ouais, je pense qu'on va pas. On a les 4000, je pense. Je pense qu'on a les 4000, c'est bien. Ah, oui, en vrai. Ouais, on les a, hein. Pas mal. Vous avez tous posé, hein? J'ai déjà posé avant. Ouais. Bon, on est presque aux 5000, ça va, c'est pas mal. Hein. 4771, c'est propre en vrai. GG. Franchement, c'est pas mal, hein. On va voir, hein. Non, ils aiment trop les. Nous faire attendre, oui. Oh, on est deuxième, ils ont fait 4900. Quoi? Voilà, ça, oh, les enculés. Ouais, c'est la mort de Fuka. Et malheureusement, nous terminons deuxième de cette épreuve. La mort de Fuka nous a malheureusement fait perdre cette première place qui s'est jouée à rien du tout, alors qu'on était un petit peu plus que les gris quand même, qui eux ont joué à 5. Et de l'autre côté, ça bouge pas, on est toujours quatrième du classement farming. Je vous passerai en vitesse toute la soirée qui consistait encore une fois à farm tous les champs et à vendre toutes les ressources qu'on avait obtenues dans l'épreuve de minage, qui se vendait essentiellement sous forme de torches de redstone, donc je vous laisse imaginer tout le bois que j'ai dû miner en fait. Et pendant ce temps, sentant le vent tourner un petit peu après l'attaque de la nuit par les bleus, j'ai essayé de négocier une petite alliance avec ces fameux bleus. Il y avait mon pote Ponk dedans, je me suis dit qu'on pouvait collaborer ensemble. Et en plus, ils voulaient casser la gueule aux gris, donc ça nous arrangeait bien puisqu'ils étaient totalement premiers. Et en plus, c'est nos ennemis principaux dans cette cité. Donc les ennemis de nos ennemis sont nos alliés clairement. Bref, tout ce que vous devez retenir essentiellement de ce jour 2, c'est ça. Pas déplacé Yann pour rien. Attends, t'as bougé où, Guillaume? Non, je suis revenu en arrière, frère. Ok. Je m'étais trompé de trop. Ouais, je jugeais pas là, je jugeais pas, je pardonne pas. C'est bon, c'est bon, les gars. Moi je creuse aucun trou. Hein. Oh non, Bouchard. Non, arrête. Il y a plein de monde là-bas. Arrête. Oh le bas, j'en profite pour cette cité vu que vous êtes nombreux à regarder. Bouchard a ses DM ouverts et Hirschard. Non, mais. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on n'utilise pas les PNJ par exemple pour farmer automatiquement? Parce qu'ils sont lents, c'est des putains de fonctionnaires, mon gars. Ok, très bien. très bien. Mais c'est... Qu'est-ce que c'est? Il y a masse truc en bas, j'ai pris tu vois. Juste en dessous, il y a masse. Qui a fait ça? Je vais fixer les coffres parce que là... Mais qui a fait ça? Qu'est-ce qu'il y a? Bah j'ai plus mes levels du coup, c'est chiant. En vrai, c'est qui le plus raciste de l'équipe, vous pensez? Chez nous? Je pense Richard, en vrai. Mais quoi? Non, vous abusez. En vrai, t'es pas raciste, c'est un truc de raciste. Hein. Petit point de classement général, donc à la fin de ce deuxième jour. Nous avons atteint les 10 millions de points au bout de 17 heures de farm sur ce jour 2. 17 heures de stream, oui. On a repris notre troisième place temporaire sur le classement des finances, toujours dominé par les gris. On rattrape petit à petit les deuxièmes. Concernant le classement épreuve, il est aussi dominé par les gris. Et là, cette fois-ci, nous sommes deuxième, suivi par les oranges. Classement général donc, fusion des deux classements. Pour l'instant, les gris sont premiers, étant premiers aux deux classements. Les oranges sont deuxièmes, étant deuxième en finance et troisième aux épreuves. Nous, on est troisième, même si on est nous aussi troisième et deuxième comme les oranges, vu qu'ils sont devant nous en finance, c'est ça qui est la priorité, donc ils sont devant nous. En quatrième, on a les bleus, la Contix Build, étant cinquième en finance et quatrième en épreuve. Ils dépassent très largement les sions qui, eux, sont loin derrière en épreuve. Autrement dit, pour l'instant, c'est vraiment le top 3 qui est disputé, et ça sera l'objectif de notre troisième jour, les dépasser. Bon,
Relais pote, je disais que du coup, nous avons notre cher monsieur Hypierre qui prépare apparemment une usine de taré. Et du coup, on va peut-être essayer de faire la même chose, c'est-à-dire une usine de Prismarine. Ce jour 3 était très important pour nous parce qu'on a réalisé une usine à Guardian. Pour ceux qui ne sont pas du tout familiers avec ce terme, ce sont des usines qui sont extrêmement longues et éprouvantes à réaliser. Il faut d'abord isoler un temple aquatique, le raser totalement, enlever toute l'eau pour ensuite recréer une structure pour faire spawn les Guardian. Alors bon, nous, on sait juste faire du PVP de base, hein. Mais on avait clairement pas le choix que d'essayer de faire cette usine. On s'est rendu compte que la 6 lanternes était ultra rentable. 500 coins, la 6 lanternes. C'est-à-dire qu'un inventaire complet de stack de 6 lanternes, c'est 500 x 64 x 36, c'est-à-dire 1 152 000 coins par inventaire. On est loin des 50 000 que nous rapporte un inventaire de carottes. Et comme les gris avaient apparemment suivi Hypierre en invisible jusqu'à sa base et qu'ils avaient découvert qu'Hypierre préparait apparemment une usine à Guardian, on n'avait pas le choix que de faire la même. Sinon, autant arrêter de jouer la cité car c'était perdu d'avance en fait. Bien sûr qu'il faut faire l'usine. En fait, c'est pas comme si il restait que aujourd'hui ou demain. En fait, il vaut mieux construire qu'aller chercher. Il y a plein d'autres items à vendre avec le truc. Moi, je pense qu'il faut faire les deux. On va essayer, puis de toute façon, c'est pas tant un temps perdu que ça, puisqu'on a pas le choix. Non, mais attends, là, juste, il faut que Bichard me rende mon pseudo dès qu'il a posé non, ça. Non, mais à bon. Droite, là, du coup, on le fait sans Ninjax, c'est ça. C'est bon. Avec deux éponges, ça va être très loin. Qu'est-ce qu'il prend le Dalil mais il... En plus, Escape Guardian, genre, franchement, bien joué la mort là. Ça nous spoil pas du tout ce qu'on est en train de faire. Oh, mais quel abruti. Mais c'est pas possible. Ouais, c'est le gars là qui est en face. En vrai, je pense pas que Dalil est mourir. Ce que tu fais. En vrai, c'est OP, non, là, maintenant, ça. C'est le chat qui m'a donné ça comme idée. Parce que le chat sont trop forts, ils ont regardé les let's play d'Hypierre. Tu vois le carré qu'on a là? Tu vois le carré qu'on a là? Ouais. Autant, en, fait, les éponges, en fait les éponges je dois descendre, aller les récupérer, les faire cuire. Mes patates, voilà, surtout mes carottes. Ouais, ils sont plats en bas. Tu dois redescendre. Mais pourquoi y'a plus de temple là? Il est où? Oh là là, il est mort. Où est-on? C'est qui qui a cassé le temps? C'est Yann. Mais les gars, mais vrai, regarde ce qu'il y a. Pour combien tu vas tout au fond là, casser le petit bloc qu'il y a là? Allez va, allez va. Lequel en bas là, la petite table de craft en bas là. Petite table de craft, tu vois, y'a une table de craft en bas. Y'a un bloc de bois en face de toi mec. C'est impossible, on peut pas le casser. On va le casser. Oh, à l'aide, à l'aide. Ah, ah. Oui. Oh mais regarde, le camé. Oh, l'anti-camé. Oh non. Non. Donc, ça fait un peu peur, queue, là. Je vois qu'il y a quelqu'un. Quoi? Il y a la queue du gardien qui... Biche bouche, tu peux réparer. Ah ok, ok. Les gars, on a baisé le trou. Hein. Les gars, ah bon? Quoi? Mais vous faites des trucs, vous dites des trucs bizarres aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est un truc de fou, là, la fatigue, là, mon gars. C'est restable sur cette fatigue là. C'est infâme, moi je te le dis, c'est vraiment infâme là. Donc vous avez vidé avec des éponges? 3 éponges, non. Mec. 3. 3 éponges. Ah, vous avez été déter. Ça fait, non, mais nous, 6 heures. Hein. Ça fait 6 heures qu'on fait ça. On est déterminé, ok? Non, mais c'est rentable, vraiment, no fake, c'est rentable parce que je te jure, 11 000 drops par heure, c'est beaucoup. Hein. Si je déco en boucle, parce que j'arrive même pas à me connecter sur le serveur avec Badlio. Eh ben voilà, les potes, regardez-moi ça. Dis-moi que c'est fini. Dis-moi que c'est fini, que nous n'avons plus de trous. À reboucher quoi, peut-être qu'il y en a un en vrai, je pense là encore, il doit y en avoir encore un. C'est le dernier, c'est celui-là, c'est le dernier. C'est le dernier les gars, c'est le dernier trou. Et après il faudra planir mais on aura enlevé toute l'eau. Mesdames et messieurs, boum. GG. C'était le dernier bloc d'eau, voilà, y'a plus rien. Bravo. Allez maintenant il faut aplanir. C'est la première fois que je suis en 5. Mais en vrai de dehors ça va être incroyable, on est litra à la fin mec, on sera trop fiers de ce qu'on a fait franchement. Regardez comme c'est beau, j'ai mis de la diorite, l'andésite, 400. Tu fais quoi en fait Nanox, j'ai pas compris en fait là. T'es mieux marié, c'est foudrement. Mais vous voulez pas qu'on fasse ça en quartz? On a plein de quartz. Là je crois que c'est ça qu'il faut faire, il me semble que c'est bon. Et après on mettra de la lave au-dessus, je dis pas de conneries, il me semble que c'est bon là. Hop. Guigis il va se lever, il va voir ça, il va dire mais what the fuck. Il va péter un câble. Ouais, ça fait 7 heures maintenant. Il est quelle heure? 20h. Ah, 20h22, c'est bon, c'est fini, 7h. C'est incroyable mec. C'est vraiment pas mal mec, hein, c'est vraiment pas mal, hein, je te jure. Après 21h34, 19h30, 17h50. Après finalement 7h éprouvantes où on a vidé le temple à l'aide de 3 putain d'éponges car on n'en a pas trouvé le plus le premier jour, on a réussi à terminer notre usine. C'était ultra long et ultra éprouvant, mais on en est fiers. Et tous ceux qui étaient là sur le live pourront vous le confirmer, c'était juste beaucoup trop long en fait. 20h30, à peine l'usine terminée, et bah c'était déjà l'heure de l'épreuve en fait. Et malheureusement, mauvaise nouvelle. Attends, moi j'ai vraiment pas envie de le faire quoi, mais bon, enfin je vais être perdu. Hein, ça, va être, ça va être trop horrible. Hein. En entendant ces mots, vous devez comprendre. L'épreuve du soir était donc bien une épreuve de build comme on le redoutait. Épreuve de build jugée par Bill Silverlight, builder renommé de talent avec pour thème le nucléaire. Ah oui, et aussi 6 joueurs max. Comme s'il y allait avoir 6 joueurs qui allaient vouloir participer dans notre team. Bon, je vous spoil, hein, on s'est battu pour savoir qui allait y aller, quoi. Voilà. Déjà, la première étape, ça allait être de constituer le roster. Fort heureusement, Ninjax nous a informé dans la journée qu'il savait build, hein, donc voilà. Donc déjà, ça faisait un joueur, restait plus qu'à trouver les 5 autres. Bichard a tenu à participer, lui, parce que pourquoi pas, donc bon, ok, ça faisait 2. Yann aussi, apparemment, pouvait se débrouiller, donc ok, 3 joueurs. Et bah voilà, du coup, il y avait plus personne. Nartko, il dormait, bizarrement, il s'est jamais réveillé pour l'event, hein. Titi, il tryhardait les lapins, et vous comprendrez pourquoi, après, il fallait qu'on le laisse tryharder les lapins, c'était hyper important. Et Restump était parti dormir après avoir fait un live 28h. Donc, il restait Lo, Nanox et moi. Lo, elle farmait les champs. Vous vous doutez ce qui s'est passé, voilà. Bon, autant vous dire que je stressais
stressé de fou. Mais vraiment, tu sais, j'avais cette sensation de passer un examen ou un DS sur une matière où je sais que je pue la merde, mais t'es obligé d'y aller, tu vois. Tu sais que tu vas te faire éclater, t'as pas révisé, mais t'y vas quand même. Épreuve numéro 2, le build. Le thème était donc le nucléaire. Déjà, petite question pour vous dans les commentaires. Si on vous dit nucléaire, sur quoi vous partez comme construction? Une centrale, on est d'accord, c'est ce que 90% des gens répondraient. Nous, on a décidé de se la jouer différemment. Comme on savait qu'on était à chier en build, que dans chacune des autres équipes, il y avait au moins un builder pro, il y avait même carrément une team Holycube en plus de la team des builders de la map, bref, t'as compris, on savait qu'on allait se faire éclater quoi. On s'est dit, on n'arrivera jamais à faire une plus belle centrale qu'eux, donc on est parti sur totalement autre chose. Comme on savait que quasi tout le monde allait partir sur la construction d'une centrale, on a voulu jouer sur l'originalité. Parce que quand t'es juge, voir 8 fois la même construction, au bout d'un moment, tu sais, c'est un petit peu relou. Alors que voir 7 constructions pareilles et une construction qui est un petit peu différente, ça réveille un peu la curiosité et ça donne plus envie de voir celle qui est différente. Donc au lieu de faire une centrale, on s'est dit qu'on allait partir sur un côté un petit peu plus historique, le dôme de Genbaku. Petit point histoire, le dôme de Genbaku est le mémorial de la paix d'Hiroshima, vous savez, hein, 1945, tout ça. Également appelé dôme de la bombe atomique. Et on parle pas de toi, hein, même si c'était une bombe, c'est vrai. Je t'ai dit de liker cette vidéo ou pas encore? C'était à l'origine le palais d'exposition de la préfecture d'Hiroshima. Et c'est surtout l'un des rares bâtiments à ne pas s'être effondré lors de l'explosion de la bombe atomique en 45. Il est toujours debout comme Renault et il est conservé à l'identique depuis. C'est un viewer qui avait proposé l'idée sur le chat de Titi dans l'après-midi, et comme on avait strictement aucune idée de ce qu'on allait faire, on a tenté le coup de poker et on est parti là-dessus. Construire un bâtiment d'histoire, ça paraît totalement hors sujet sur le thème du nucléaire, mais on sait jamais, sur un malentendu, ça pouvait attirer l'œil. C'est classe, hein, c'est beau. Bon, certains auront peut-être reconnu l'avatar de ce magnifique personnage. C'est Matox. C'est Matox et l'Ender Dragon. Et puis, en vrai, le dragon est bien fait, voilà. On dirait croque-mou. Plus d'infos demain matin. Non, sans plus tarder, du coup, on va pouvoir libérer tout le monde du channel annonce. Voilà. Peut-être. Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est regarde, là, la ladder. Et genre là, tu vois, ici, là, on pourrait remplacer par de la cobble parce que je sais pas si vous voyez, ça monte un petit peu avec de la cobble au début. Et genre, on l'aide dès qu'il a l'idée. En vrai, faut qu'il fasse ses gros œuvres, ouais. Je sais pas si c'est grand ou petit, en fait. C'est plutôt grand, mais. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on met un panneau, tu sais, en mode genre dessus, c'est à moitié genre invisible, genre. Oui, c'est ça. Ouais, t'inquiète. Bonne idée pour les petits détails, en vrai, bonne idée pour les petits détails. Merci les gens. En vrai, ça va, mec, hein, je pense, hein. C'est pas trop dégueu ton truc, hein. Ah ouais, ça c'est. Putain, c'était bien ça, de fou. Même sur les côtés comme ça, genre. Ouais, même là, hein, regarde. Et au bord de l'eau, mec, regarde comme ça. Tu fais quoi, la bichard? Tu fais des sortes de trucs bizarres un peu? J'essaie de casser un peu la clôture parce qu'elle était trop droite. Elle est pas du bon côté de ta bannière. Elle est pas du bon côté, tu vas la mettre de l'autre côté. Je pense pas plutôt que c'est en allant par là. J'aime bien, en vrai, là, je trouve ça rend bien, en vrai. Allez, vas-y, attends, on va suivre la barrière, mon gars. De l'autre côté aussi ou pas? Oui, oui, oui. Quitte à ce que tu la mélanges même un peu avec l'eau, enfin, fais un truc. On passe à la mafia. Ouh, ouais. Ça a pas énormément avancé, mais en fait, ce qui est marrant, c'est que ça prend forme, mais surtout, regarde, quand on regarde les autres équipes, j'ai l'impression que c'est ils construisent la masse et ensuite ils vont dans le détail. Alors que là, directement, t'as le détail. Oui. En fait, j'ai l'impression là que limite, ils ont chacun leur projet et ils le font à fond. Chacun. Ouais, parce que bon, après, là, il y a un pont cassé qui est déjà fini. Ouais, ouais, franchement, le beau détail sur là, l'entrée de. On sait pas trop ce que c'est, mais. Si vous pouvez passer par Discord pour parler de votre construction, ce serait sympa. On doit y aller, là, ouais, en général, ouais. Et ça avait l'air de fonctionner. Bill, le juge, s'est très rapidement intéressé à notre construction, nous demandant de venir expliquer en vocal ce qu'était notre projet. Et on a eu une chance incroyable, c'est que Bill adore l'histoire. On le savait pas du tout. Alors, nous, on n'est pas des bulles d'orné. Du coup, on a préféré jouer la carte référence. Ouais. Et du coup, on se lance dans le dôme de Genbaku. C'est un mémorial de paix à Hiroshima, comme c'est le nucléaire, Hiroshima et tout. C'est un ancien bâtiment qui est très visité au Japon, parce qu'il est encore assez intact. Ah, vous pouvez me redonner le nom? C'est pas le seul truc qui est resté debout. C'est celui qui a genre le plus de forme, on va dire, encore, qui est encore le plus visitable, on va dire. Mais en tout cas, vous m'avez appris quelque chose, et je suis en train de me balader, je le partage sur le stream aussi, je me balade sur le dôme de Genbaku que je ne connaissais pas du tout. L'objectif, c'était vraiment pour nous de limiter au maximum la casse. Fallait qu'on arrive à faire un truc stylé en 1h30 qui ressemble au maximum aux photos du mémorial de la paix que tu peux trouver un peu de partout. On a pris des photos sur TripAdvisor, frère, hein, si on m'avait dit un jour que je ferais ça. Et on faisait comme on pouvait pour pas que ce soit trop catastrophique. Ça libère un peu. J'ai fait de la grosse merde là, mais bon, vas-y. Hein. C'est quoi, mec? On est à un stade où je pense qu'on s'en fout un peu maintenant. Il nous reste 30 beau, minutes. Mec. En fait, là, mais j'ai pas fini de l'arc. Bon, faut faire les autres murs aussi. Ça va, en 10 minutes, on a le temps, les gars. Écoutez, là, il nous reste plus de 10 minutes. Tant qu'on passe pas en dessous de la barre des 10 minutes, ça va. À partir du moment où on passe en dessous des 10 minutes, on pourra commencer à paniquer. À paniquer. Après 10 minutes, 50 kills. Non, non, mais on est toujours au-dessus des 10 minutes. Tant qu'on est au-dessus, on ne panique pas. Là, tu peux commencer à paniquer, tu vois. Là, maintenant, on peut. Je panique. Là, ça commence à être tendu du cul, là, tu vois. Oh, je suis un gros chien, en fait, c'est ça le problème, en fait. Arrête de dire ça, t'es... Non. T'as un palais d'exposition industriel, il nous reste 5 minutes, venez, on fait des trucs un peu industriels, intérieur steampunk. Oh, par contre, le bruit des pistons, là... Enlève-les, active-les pas, frère. Active-les pas, ça nous fait des points en moins, frère. Arrête cette cloque, là. Arrête cette cloque, frère, arrête. 12 secondes, oui. Oh. Piston, il est pas dans le bon sens. Oh non, mais c'est trop moche ici. On a... Au bout d'une heure trente, fin de l'épreuve, on arrive à quelque chose qui est plutôt ok finalement. C'est plutôt ressemblant, c'est pas trop moche en jeu. Enfin voilà, on a un build qui tient la route quoi. On découvre donc les builds des autres équipes avant les notes, et là c'est la désillusion totale. Oh,
La Quantix, regarde. Mes frères, ils sont complètement fous aussi, frère. Quoi, regarde. Holicube. Oh là 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 là. On va finir dernier, je pense. Je pense qu'on va être dernier ou avant-dernier, je pense. Mais bon, on va voir. Les vieux. Après, s'ils sont là, sinon... Non, ça va, c'est pas ouf. Franchement, au vu des bulles des autres, on était sûr de finir dernier, quoi. C'est juste impossible qu'on s'en sorte. Regardez-moi ça, sérieux. Même si c'est une énième centrale comme on l'avait prédit, ils sont juste trop forts, je trouve. Donc là, on était clairement pas confiants. On pensait qu'on allait finir dernier, clairement. On priait juste sur le fait que l'originalité paye. On était la seule team à être partie sur un côté historique, à ne pas avoir construit une bombe ou une centrale ou je ne sais quoi. Et avant les notes, il fallait présenter notre projet, tu vois, comme un oral. Et là arrive l'un des moments les plus incroyables de cette cité. Il y a pas le temps pour faire une petite musique en note bloc. Non, on y a réfléchi. on n'est pas trop artistique. On s'est demandé si en fait on allait faire ça dès le début au lieu de faire une construction. On savait pas si ça rentrait des points, quoi. On avait une chance de gratter une 7ème place, on n'était pas sûr. C'est malaise, quoi. Le bad. Moi, c'est juste dans mon coin, je prends des notes. T'as senti que Yann il a paniqué, frère. Il était en train d'expliquer son truc. Ça fait trop oral, hein. Je te jure, ça fait oral en présent. J'étais sur le point de vue d'IPR. Le premier truc qu'il voit, c'est le système Redstone. Mais oui, je te jure, il va dessus, il regarde, il voit le truc de Redstone que j'ai placé comme de la merde. Il a dû se dire, putain, ils sont vraiment cons. Et voilà, c'est la fin. Pas mal. Voilà. Un petit moment gênant quand même. C'est pas mal, non? Vous en pensez quoi, les gars? S'il vous plaît, mais là, c'est les gars. Un petit bad à un moment, là. Mais en même temps, c'est normal, c'est comme quand t'es à l'oral où tu as fini ton exposé, t'attends que le prof te dise, il te pose des questions, tu vois. Tu vas pas dire, si malaise là, tu vois, quand t'es en oral. Moi, c'est vrai, mais quand tu sais, quand ça répond pas juste après, t'imagines, t'es un oral en cours, tu finis ta présentation, y'a rien. Y'a un mec qui est dans la salle, un petit moment gênant là, quoi. Oh, le bad là. Moi, je l'ai trop ressenti comme ça. J'ai vécu mes années de cours là quand j'étais en train de faire mon oral, et t'as Yann comme ça, il a dit, malaise là. T'as rien à foutre. Tu sais que t'as lâché un petit malaise à Bill et tu veux finir. J'avoue. Petit malaise, il a lâché. Petit malaise, il a petit malaisé Bill. Et vous savez quoi? Bizarrement, après cet oral, je le sentais encore moins qu'avant. C'est étrange, non? Alors du coup, en 8ème position, nous avons Fukano eSport. Comme on disait, c'est sympa leur thème. On est au moins 7ème. Mais du coup, ils se retrouvent avec, ils ont passé la moitié du temps à mettre de la neige. 7ème position, nous avons Bezvartak. On est au moins 6ème. What the fuck? C'est sympa, j'aime bien ce qui a été fait. Bah 6ème, c'est bien, les gars. En 6ème position, nous avons la team Pachinko. What? Et vous, on est devant On est devant Pachinko. On est devant Pachinko. On a rattrapé notre retard d'hier, mais c'est ça que je voulais dire. Avec... On a réussi à arnaquer, c'est un truc de fou. Hein. Mais mec, on est au moins 5ème, quoi. Non, okay. Je rigole. Attends. Avec... On est quatrième. Mais quoi? On est juste derrière les teams de pute. Oh, le chèque à Pierre. Quatrième, quoi. C'est incroyable. L'originalité et le côté histoire à payer. Bill a surkiffé le fait qu'on ait misé sur autre chose et c'était magique. Personne n'y croyait. Nous, absolument pas. Et vous, sur le chat, c'était juste incroyable, quoi. Sérieux, c'est certainement le moment que je retiendrai le plus de toute cette cité, cet event build. Je pense qu'à ce moment, vous imaginez pas notre motivation pour la suite. On a réussi à tempo notre pire épreuve. En finissant quatrième, ce qui est loin d'être dégueulasse. Et on prend donc la tête du classement épreuve provisoirement, ce qui nous met énormément en confiance pour la suite. Puisqu'on prend temporairement la deuxième place du classement général, étant troisième sur le classement finance, mais premier sur le classement épreuve, loin devant nos concurrents principaux, les oranges et les gris. C'est vraiment incroyable le top 4 alors que vous visez le top 7. Non mais de fou, on voulait juste pas être dernier en fait. Enfin même pas, vous voulez juste avoir une place de... pour pas être dernier, juste histoire de proposer un truc. Ouais. Exactement ce qu'on a visé, c'est-à-dire le côté original et le fait qu'on savait qu'ils allaient tous faire une centrale, ça a trop bien marché quoi, je suis trop content sérieux. Nous avons la mafia UHC. Très 5 hein, quand même. Hein. Parce que j'ai vraiment adoré déjà le fait que, comme disait Emric, c'est pas juste une centrale nucléaire. Une vision d'une centrale et nucléaire, voilà. C'est un truc complètement différent. Le côté et historique voilà. Et tout m'a plu. Yes. Et je trouve que c'est une excellente idée de on n'est pas constructeur et tout, on va faire une reproduction. C'est vrai que c'est sans s'attaquer en plus à un truc trop difficile sur les centrales nucléaires. Exceptionnel. Les choses à représenter. Quoi. Et Bill est trop fort. Bill est trop gentil. C'est incroyable. Ah, franchement, je trouve que limite, ils ont super bien géré leur temps et l'espace en se disant on va pas faire un truc de malade mental, ce qu'on va choisir de faire, on va bien le faire. Je trouve qu'ils ont réussi leur challenge. Oh merci Bill, on t'aime Bill là. On repartait donc chacun dans notre coin pour continuer à farm toute la soirée. Nous les champs, Nanox partait voir s'il y avait pas moyen de piller une autre équipe et Tizi faisait les lapins. D'ailleurs attends, mais pourquoi des lapins tiens? Et pourquoi j'ai dit juste avant une autre équipe? Eh bien c'est parce qu'en fait, la veille dans la nuit très tard, il s'est passé quelque chose. Dans tous les cas, j'ai trouvé un portail, ça mène forcément quelque part. Hein. Voilà. Surtout que les échos ils sont assez éloignés. Ok, il y a un stream mine, donc il y a quand même quelque chose. Ok, attends, j'ai regardé ton stream, Nanox, je suis curieux.
Après, t'es pas obligé de nous le dire, hein. T'es des confidences. T'es un calme, mais à chaque mot. Le mec est curieux, quoi. J'ai dû réfléchir à chaque mot, putain, mais curieux. Nanox débarque alors avec une nouvelle des plus excitantes. Il avait trouvé l'emplacement du portail des Sions. Et on s'est dit que c'était le moment parfait pour notre premier pillage. Imagine, il venait le moment où on fait le chemin entre le portail et la base. Il y en a un, il est à 3 blocs de moi, là, dans le couloir, il est en train d'AFK pêche. Les coctamises Nanox, elles sont vraiment à. Je sais pas, à 300 blocs, je pense. Attends, mais t'as trouvé ça comme ça au hasard, mais t'as un crack. Non, ouais, de fou. Mais on est dedans, en fait. Vous êtes dedans, là ? Là. Ouais, y'a des coffres, ah, okay. Mais y'a rien dans la. Ah, c'est là. Ah, oui, c'est bon. Ah, okay, oui, y'a les photos, vas-y. Voilà, il est mort. Et c'est bon là. L'autre sur l'autre là. Elle faut regarder. Attrapez-le. Attends, il respawn nous. Faut qu'on voit le lit. Faut qu'on regarde le lit. C'est bon. Faut qu'on regarde le lit. Il farmait quoi là ? Oh, les trucs, frère. Les gars, venez. Rappel, vous avez pas le droit de casser les trucs. Au-dessus, y'a plein de PNJ. On peut pas les tuer, mais y'a plein de trucs en fait. Y'a des lapins. Ils farment les pattes de lapin. On pille donc totalement les Sions. Évidemment, on ne casse rien car on n'avait pas le droit. Par contre, on vole toutes leurs ressources et leurs animaux. Et on s'est justement rendu compte au passage, grâce à leur farm, que les pattes de lapin étaient complètement fumées. C'est pour ça que Titi s'y est mis. Et pour continuer dans sa lancée, Nanox a cherché d'autres bases dans la nuit. Et devinez ce qu'il a trouvé ? La base de nos ennemis principaux. Rien que ça. Tu sais que je vais attendre toute la nuit avant qu'il y en ait plus que deux et genre ils soient pas dans leur base. On prend tout leur coffre, genre. Il se faisait tard, j'ai donc décidé d'aller un petit peu me reposer pour revenir en forme le lendemain. De toute façon, ça servait à rien qu'on attaque parce qu'ils étaient encore 10 de connectés 24h sur 24 et nous on était 3. Donc si on voulait faire une attaque, fallait attendre qu'on soit tous connectés, donc le lendemain c'était sûrement mieux. Mais par contre, on a noté les coordonnées de leur base. Ah ! Bonjour! Jour 4, un tiers de la cité de fête déjà. On allait enfin savoir si nos efforts de la veille avaient payé. Est-ce que notre machine fonctionne réellement finalement? Déjà, bonne nouvelle, pas de pillage pendant la nuit, mais malheureusement, la ferme avait quelques soucis de drop. Et à ce moment-là, on pensait que c'était dû au nombre d'usines faites par tout le monde certainement. Donc il y avait un souci côté serveur, ça dropait pas. Ça nous a mis un coup au moral quand même, hein. Donc en attendant, on a continué de farm toute la journée les mêmes ressources, les champs, en faisant des allers-retours, on a agrandi la salle avec les champs pour en construire d'autres, etc., etc. C'était un jour important car c'était le jour où l'end allait être enfin ouvert. À nous les shulker box, à nous les inventaires remplis de carottes qu'on allait pouvoir déposer tout d'un coup. On va donc se concentrer sur ça aujourd'hui. L'épreuve du soir, l'ouverture de l'end. L'épreuve était un speedrun, enfin speedrun entre guillemets. L'objectif c'était de récolter le plus possible d'objets de l'end en 3 heures, c'est-à-dire Elytra, Shulker et stuff en diamant. Tout ce qu'on récoltait, on le gardait. Et comme pour l'épreuve minage, t'avais un barème divisé par le nombre de participants par équipe. Cette fois-ci, pas de nombre minimum, mais surtout pas d'erreur. On y est allé à seulement 5. Et après, il allait falloir avoir de la chance. On a cependant tout fait pour optimiser notre run. Comme des perles nous étaient give dès le début, pas besoin d'aller les farmer. L'un partait donc dans le Nether, deux minaient du stuff en vitesse et les deux autres prenaient un maximum de blocs. Ce qui souvent est la chose qui pose problème dans l'end. Ça se passait plutôt bien, on a réussi à atteindre l'end assez rapidement, avec un maximum de blocs pour tous. Étape numéro 1 du coup, tuer le dragon pour libérer les portails menant aux cités de l'end. C'est bon, j'en ai tapé un autre. C'est bon, je crois, les gars. C'est bon, il y en a plus, je crois. Je crois qu'il en a plus. Celui-là, c'est clair. Wesh, il a fait quoi là? Qui prend? Vous avez combien de niveaux, les gars? Combien de niveaux vous avez? 15. Non, wesh, t'es fou. Merde, je t'ai perdu dessus. Qu'est-ce qui prend l'XP, les gars? Pas moi je reste loin. Je m'éloigne, oh, j'ai 15 Japan, niveaux. Oh non, y'a plus de coups la Suisse. Et on avait alors une stratégie particulière par rapport au niveau. Je pense d'ailleurs qu'on était la seule team à faire ça. On voulait maximiser nos chances d'avoir des shulkers, et pour ça on s'est dit qu'on allait tenter de faire des looting. On avait de quoi faire une table d'enchant niveau 30, et il fallait que la personne qui récupère les niveaux enchante des épées looting, ce que Bichard a fait, et je suis donc parti avec une épée en diamant looting 2. Et ensuite, bah il fallait avoir de la chance quoi. En plus, c'était le fameux soir du match France-Suisse, vous savez très bien ce qui s'est passé, hein, on va pas revenir là-dessus. Et pour couronner le tout, on n'a pas eu de chance. Mais voilà, c'est bizarre ça tient. J'ai trouvé 4 fortes reste de l'end en 4 minutes, 0 élytre. Rien. Que dalle. Ça galère à looter quand même, hein. On va pas se louper. Et Shulker hein. Même avec looting 2 frères, ça galère. Hein. Ouais, mais moi je Ok, looting. J'ai 2 pièces diams, 2 pièces diams, 2 plastrons. Et faut pas les mettre, hein. Ah ouais, 3 plastrons. Oh putain, mais c'est pas cher, ça vaut 6 points. Parce qu'un bouclier, tu prends pas les dégâts. Hein. Ouais, c'est vrai. Le problème, c'est que c'est pas safe ici, hein. Y'a aucun endroit où c'est safe. Oh, le stuff, il va broke à une vitesse. La vie, frère, y'en a trop. Je suis dans ton truc, bon, je suis dans ton truc là. Les gars, la Vinoberg Event, il est incroyable. Ouais, il est long, le bon frère. Je finirai par trouver mes élytras à la toute fin de l'épreuve. Rendez-vous compte, sérieusement, notre chance quoi. J'avais au préalable prévu des fireworks exprès en avance en plus, quand je farmais des blocs. Cela m'aurait permis, si j'avais eu des élytras à la première forteresse de l'end, de pouvoir enchaîner les forteresses et de récupérer un max d'élytras, donc un maximum de points. Loading terrain. On est quatrième. Comment tu sais? Quatrième. T'écris là. Ah ouais, quatrième. Ah ouais. Même avec les Shulker Shell, sans rien changer. On finit quatrième de cette épreuve, ce qui nous baisse totalement dans le classement. Mais pas de temps à perdre, il fallait absolument que je récupère encore plus de Shulker, car on n'allait pas récupérer le loot de l'épreuve juste là, tu vois. Comme l'end venait d'ouvrir dans le monde de la cité, du coup, je suis parti direct dans l'end, j'ai récupéré des élytras, et je suis parti rusher toute la nuit en espérant avoir des Shulker. Et ce que vous devez retenir de cette nuit là? Là, je sais pas, frère. En fait, je vais essayer d'aller le plus loin possible avec ces élytras, c'est pour ça. Il y a de la dura, mais ça va vite diminuer, donc faut que je me casse. Bah là, je vois rien, les gars, ça ne charge pas, hein. C'est ça qui est génial. Je sais pas où je suis. Bah là, écoutez, on est sûr qu'il y a personne qui est allé par là, puisque regardez. Je ne sais pas ce qui se passe, les gars. Un problème là, les gars, non? C'est moi qui. Petit malaise, hein, mais mec, petit malaise là, ouais, ouais. Hein. Oh, les gars, je suis en train de chuter là, je vais pas vous mentir. Je comprends pas ce qui se passe là. Oh!
avec toutes les Elytra et Shulker que j'aurais donc récupéré ce soir-là, en les donnant à l'eau qui en plus les a remplis de carottes et citrouilles, j'ai pu déposer énormément, monté à 6 millions pour un total de plus de 26 millions pour la team. Cependant, on n'avait pas encore réussi à dépasser les oranges, même si on s'en rapprochait dangereusement. Jour 5, moitié de la cité, c'est le jour où tout a basculé. On commençait à se rapprocher dangereusement des oranges, mais les roses, eux, s'étaient mis aussi à jouer. Résultat, le top 2-3-4 commençait à être très serré. Grâce au shulker, je pouvais enfin déposer énormément, et là, on s'est vraiment mis à tryhard le farm. Cependant, on n'a jamais encore réussi à dépasser les oranges ce jour-ci. Concernant les épreuves, on était deuxième, égalité avec les roses et les gris, juste derrière les bleus qui avaient 2 points de plus que nous grâce à l'épreuve de la veille. Et on va justement directement passer au moment important de ce jour-ci, l'épreuve, la recherche de tête. Aucune limite de joueurs, aucune division de score. On a donc vu les choses en grand et on y allait. À 10. Et c'est là que tout a commencé à partir en steak. Bon, les gars, je vous propose, on fait ce que vous savez ou pas là? Allez, 3, oui. Bah, tout de suite, non? Bah, 6, je pense. Go maintenant, vas-y, allez, 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 c'est bon, là, allez. Allez, 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 c'est bon, c'est bon, allez. Allez. Regardez au-dessus, les gars, déjà, regardez partout. Regardez au-dessus. Mais il n'y a pas le droit. Et si c'est autorisé, j'ai demandé aux admins cet après-midi. Allez, à bientôt, les gars. J'ai demandé confirmation, ça a été validé par les admins cet après-midi. Donc, effectivement, il faut les faire. C'est totalement legit, sachez-le. Oui, mesdames et messieurs, on a recommencé à faire n'importe quoi. Et ça a commencé ici, avec une technique visiblement considérée par beaucoup de viewers des autres streams comme étant de la triche. Cependant, vous me connaissez, je vais pas faire les trucs en soum-soum comme ça. J'avais au préalable demandé la permission avant, et ça avait été validé par les admins l'après-midi. Donc aucun souci, et en plus de ça, on n'était pas les seuls à utiliser cette technique, puisque la team d'Hypierre y avait également pensé. L'épreuve consistait à trouver le plus de têtes en 1h30, et je peux vous dire que cette épreuve était ultra compliquée. Les têtes étaient super difficiles à trouver, dans toute la cité il y en avait, même à l'extérieur, donc sur des endroits où tu peux pas y aller en fait. Même avec le pack, c'était impossible à trouver, mais c'est grâce à ce pack, ou plutôt à cause, que tout est parti en steak dans cette cité. La strat est broken, on est déjà à la moitié. Mais je sais pas si on est OP par rapport aux autres. Oh, j'en ai une! Dommage, putain, il peut pas! J'en ai une! On est égalité avec eux! 215! On est devant eux, on est devant eux! Allez! Allez, les gars, allez! Vous êtes trop chaud, les gars! 216, allez! Go leur mettre une soupape! Go leur mettre une soupape! Putain, mais il reste 7 minutes là! Non, mais c'est intense en fait! C'est les mêmes du plus intense, frère! Oh là là! C'est horrible! Frère, à côté de ça, le PVP, mec, ça va être rien du tout! Oh, let's go, nous sommes trop fort! Qui c'est? Pour 1000 billes, je trouve une tête! Ok, on a toujours 3 d'avance! On a 3 d'avance, les gars, 5 minutes! Mais moi, je trouve plus rien! Moi non plus! Je ne pensais pas qu'une chasse à la tête était comme ça. Ouais, de fou, mec, hein, c'est incroyable. Mais je suis épuisé. Allez, non, il y a une tête que je peux pas attendre. Allez, allez. Oh, j'ai 4 têtes. C'est gagné, c'est gagné, les gars. Let's go. J'ai le classement, j'ai le classement. 223, 219. Yes, let's go. Oh, le miracle. Et oui, on remporte l'épreuve des têtes, mesdames et messieurs. Et on passe premier du classement épreuve temporairement. Mais comme je vous ai dit avant, la soirée est partie en steak, totalement. C'est là que le premier drama de cette cité s'est créé. Disons que plusieurs teams se sont mis à utiliser le même pack que nous en plein milieu de l'épreuve, ce qui nous avait légèrement gonflé à peu près. Et dans le stress, c'est vrai que ça faisait quand même plusieurs jours qu'on jouait sans pause, etc. On avait quasiment pas mangé, on avait quasiment pas dormi. On a pu dire peut-être des trucs qu'on pensait pas forcément, qui étaient un petit peu abusés, certes. Moi le premier d'ailleurs, et je m'excuse encore si j'ai dit des trucs qui ont blessé des gens. Et résultat, vous connaissez, des viewers se sont mis à couper les clips, les moments comme ça pour nous nuire et à envoyer ça aux administrateurs dans le but que ça nous tombe dessus. Et il y a eu embrouille. Je vais pas rentrer dans les détails car c'est réglé maintenant. Il y a eu une longue discussion après la cité. Et encore une fois, bah je m'excuse si j'ai dit des trucs qui ont saoulé et tout. Je peux totalement le comprendre. C'est sur le coup du stress, au bout d'un moment, tu sais, 17 heures par jour, tu dors pas, tu manges pas. Enfin, là, c'est plus des nerfs que t'as, c'est ça explose. Même entre nous, on pétait un plomb tous les jours, faut savoir. Hein. Mais en gros, ce que vous devez retenir, c'est qu'à partir de ce soir-là, plusieurs équipes se sont mis en tête de nous faire juste péter un plomb et de nous faire tilt pour qu'on explose et qu'ensuite on dise des trucs qui nous retombent dessus. Et vous allez le voir, c'est surtout le lendemain que ça s'est vu. Dans la nuit du jour 5 au jour 6, on s'est rendu compte qu'à part les champs, la prise marine et la clay, le truc le plus rentable à farmer, c'était tous les minerais de l'End. C'est-à-dire l'Opsy, l'Endstone ou même le souffle du dragon. Pour ça, il fallait faire respawn le dragon, etc, etc. On avait donc voulu y aller dans la nuit, mais impossible d'approcher pour une bonne raison, c'est que les gris et les oranges, donc les premiers et les deuxièmes du classement, avaient fait une alliance temporaire, en partageant un beacon dans l'End et en se laissant miner tranquillou sans se tuer. Résultat des courses, ça avantageait les deux équipes, parce que les oranges pouvaient comme ça nous distancier, et les gris, bah on était l'équipe qui leur faisait la plus peur apparemment, surtout à cause du classement des épreuves. Donc on a bien gentiment attendu le lendemain pour y aller, donc le jour 6. Et encore une fois, c'est parti en steak. Il casse le truc du dragon. Il est en Elytra là, je sais pas où il est. Oh, je le vois, il tape le dragon. Il a essayé de taper le dragon. Tu le tues. Il est où? Il est en l'air là. Il a tapé le dragon. Oui, c'est bon, mort. Attends, c'est bon. Abuse pas, frère.
Ah oula, attention, attention, attention. Oula. Barrez-vous, barrez-vous. Non mais non mais ils vont venir, ils vont venir. Non mais attends, il y a les jaunes avec, frère, il y a les jaunes avec, ils vont venir pour le troll. OK, ils ont des bêtes bombes. L'eau a essayé de nous mettre mal en avis dans le chat. Mais attends, ça va pas du tout. C'est 0€ de plaisir. Ah, mais ils sont 3 teams, frère. Ah, quoi, quoi. Il y a 3 teams sur les deux. Il y a vraiment 3 teams. Attends, allez, MLG, MLG. Notre team, c'est vraiment devenu les grilles du début. Je te jure, frère, on est les grilles. Avec le charme. On enferme le spawn de psy. Jamais ils sont pas les grilles. Et pire, on met un campeur à l'arc. Mais on a pas de flèches. Moi, j'ai un stack de flèches. Moi, j'en ai. J'ai Infinity. Ah, mais toi, alors je les one shot. Mais j'ai Infinity. Moi, ça monte vos stats. Vous allez vous amuser. Deux gens morts. Guilis, tu t'as passé, les gars. On va pas poser au-dessus, frère. On peut pas poser au-dessus. Après, de toute façon, ils ont pas d'eau, ils ont pas d'eau. Attends, t'es où, Bichard, là? On est en train d'avancer, là. Oh putain, y'a un mec qui m'a tué, le fils de putain. Il t'a tué? M'a poussé dans le vide. Quatre équipes se sont mis à débarquer sur nous en même temps, dans le but de nous faire chier. C'est littéralement ce que j'ai reçu en MP en fait. Enfin, là, ça devenait limite injouable pour nous, puisqu'on avait carrément la moitié du serveur qui était sur notre gueule. À un tel point que Hyper a dû intervenir pour leur dire de nous laisser. Et je le remercie parce que j'avoue qu'autant on avait un petit peu déconné la veille, autant là, on voulait juste jouer dans notre coin sans faire chier personne. Voilà, là, y avait des gens qui voulaient juste qu'on pète un plomb. Ils nous cherchaient, quoi, voilà. Ce jour marquait aussi l'arrivée de Gep et l'avant-dernier jour de Titi, qui farmait depuis peu les poulets après que les pattes de lapin aient radicalement chuté de prix. Et on continuait donc de se rapprocher dangereusement des oranges. Et ce qui nous aidait aussi bien, c'était la machine automatique à neige que Bichard avait réalisée la veille. Cette machine en redstone qui se trouvait au-dessus de l'usine à Guardian permettait deux choses. 1. Faire spawn les Guardians, et vu que la ferme était automatique, ça générait du loot automatiquement et ça nous mettait extrêmement bien. En plus, ce jour-là, ils avaient réglé les problèmes de serveur, donc ça spawnait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et de 2. Générer de la neige quasiment à l'infini. Il suffisait juste de mettre un compte à FK. Avant ce jour-ci, on avait pu mettre le compte de Gep, du coup, qui m'avait été donné. Ce jour-là, on a pu mettre le compte de Fuka qui n'était pas là. Et le jour d'après, j'allais pu mettre le compte de Titi qui partait en vacances. J'ai donc mis ces comptes sur mon deuxième ordi portable à côté en AFK et je l'ai laissé tourner jusqu'à la fin de la cité. Ça nous a permis de vraiment coller les oranges jusqu'à presque les dépasser. Et c'était juste une question de temps avant qu'on passe deuxième. Seulement, les premiers étaient vraiment difficilement rattrapables. On a donc décidé de se concentrer uniquement sur les épreuves, tout en essayant de conserver la deuxième place du classement finance, dans le but que les gris qui eux étaient premiers en finance finissent au moins troisième en épreuve. Et dans ce cas-là, si ça venait à arriver, c'est nous qui gagnerions la cité. Dans l'exemple du moment actuel, au moment précis où nous doublons les oranges, nous devenons premiers à égalité du classement général de la cité. Deuxième en classement finance et premier en épreuve. Et les gris, eux, c'est l'inverse. Premier en classement finance, deuxième en épreuve. Mais notre but, c'est qu'ils tombent troisième des épreuves. Parce que là, dans l'état actuel des choses, s'il y avait égalité, c'est le nombre de swag coins qui prime. Donc les gris sont quand même premiers quoi qu'il arrive. Nous n'avons donc pas le choix. Nous devons faire en sorte qu'il n'y ait pas égalité. Qu'ils finissent troisième et nous premiers. Et donc, nous devons absolument gagner les épreuves. Oui, mais je sais, mais bien sûr, on sait, frère. Moi, j'ai désactivé les events, hein, perso. Enfin, les emojis. Allez-y. Épreuve du mercredi soir, du jump. 3 participants minimum, 12 maximum. Mais encore une fois, le score était divisé par le nombre de participants. Donc, pour maximiser nos chances de réussite sur cette épreuve, il fallait y aller à 3. Bichard, car on l'a vu à la Zilan, c'est un pro du jump, Gep car il venait d'arriver, et moi car bon je me débrouille pas si mal que ça en réalité. Le jump était découpé en 5 niveaux de difficulté, chaque niveau comporte plusieurs checkpoints, et chaque checkpoint franchi donne 1 point. Le score de la team équivaut au nombre de points total divisé par le nombre de joueurs. En cas d'égalité, le temps moyen des joueurs servira à départager. Donc en résumé, il faut aller le plus loin possible et le plus vite possible. Alors c'est parti, on voit rien du tout, c'est l'enfer. Un début pas très compliqué, on connaît. Peut-être pas piégé. Il y en a 26 et on a une heure pour finir les 26. Ok. Ouais. On va même prendre son temps. Oui, c'est ça. C'est ça, souvent là pour le moment. Ok, pour l'instant, tout le monde se suit. Au niveau des temps, surtout. Bon, après, il y a eu du lag au début, donc je pense pas que ça. Ça va se passer vraiment dans les prochains trucs. C'est surtout au temps en fait. Je crois que c'est pas en fonction de qui score. De toute façon, le temps est commun à tout le monde. Oh, ça a tombé. Ouais, il y en a plein qui tombent là après. Ah, ça y est, on commence à passer au niveau de au-dessus là. Je suis tombé à cause, je savais pas. Ok. Eh biche bouche, je vais zéro rager aujourd'hui. Écoute-moi bien. Il est quand le checkpoint là, frère? Il est à 10 km là. Ils sont trop là, les checkpoints, ça y est. Oh, oh. C'était temps avec ce jump, hein. T'es à 8, biche bouche, toi? Ouais, toi, t'es devant. Ok, t'es juste devant moi. Ah, mais ok, Bichard, en fait, t'es quasiment premier en fait. Ouais, j'ai personne dans mon champ de vision, c'est étrange. Ok, ça y est. Checkpoint jaune, ça y est. Ah, ouais, putain, dommage. Ah, oui, ok, je vois où est-ce que vous êtes. Ok, checkpoint. L'important surtout c'est de ne pas tilt parce que ça va vraiment durer tellement longtemps. Ok. Yes. Et là j'ai aucun problème, puis d'un seul coup je galère sur des trucs simples. Ouais, c'est hyper. C'est incompréhensible, moi aussi c'est pareil. Hop. Ok. Alors là, niveau supérieur, le orange là. Déjà ça commence bien, le orange ça commence bien, frère. Oh putain. Ok, checkpoint. Ok. Alors là, il y a encore. Il y a des petites. Il y a des petites vitres un peu changées là. Là, il y a des vitres. T'en es à combien toi, Bichard, là? 17. Ok, bah je suis à 17 aussi. Ah oui. Ouf. Oh putain, ah oui, alors ça.
Oh les goulas. Wow. Ça marche pas votre truc les gars? Ah oh, c'est hardcore genre. Ouais ouais. Oh, là, là. C'est hardcore sa mère hein. Là ça commence vraiment à se corser de fou. Ouais. En fait tout va se jouer sur le mental. C'est une épreuve de mental. Oh dommage. Vas-y Bichard. Mais je joue pas les pierres. Oh. Putain c'est bon. Oh 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 oui. Oh excellent. C'est quoi ta dex? Oh des arcs. Je regarde mais je suis mute pour pas les gêner. Mais mec, on est trop en avance là, frère. Allez. T'as mis une virgule là-haut. Ouais, ok, ok. T'arrives à faire ça? C'est ouais. Ouais, mais ça, c'est la Zidane, frère. Ce jump est abusé, vraiment. Genre, c'est abusé de mettre ça dans cet événement. Ok, bon, mais je sais, mais je veux dire. Oh putain, j'y étais, frère. Oui, oui. Mais si on est tous les trois au même spot, je pense que c'est bien parce qu'il y a aucune team à part les gris qui sont tous les trois au même spot là, actuellement. Ouais, mais faudrait qu'on soit devant les gris. Par contre, je vois plus Gap. Ah, c'est les là, ok. Alors la technique dorée, c'était de faire ça. Vous pouvez essayer, Matox il est au 24. Là en fait on est bien grâce au temps en fait. J'arrive plus, c'est lui auquel j'arrivais. En fait faut d'abord... C'est bon, merci enfin. Merci pour ces euros de plaisir. Ok. Ça y est. Là lui il est compliqué. Ah t'as réussi, what the fuck. Je suis tombé. Non! Il y avait un... Attends, j'ai pas vu, il y avait un bloc au-dessus, je crois. Il y a une échelle au-dessus, oui. Ça, c'est oh non, j'ai pas vu, putain. Je suis tombé deux fois là-dessus. Ok, bon. On va être à 21 tous les deux. Bichard est à 22. Ouais, ouais ça nous va comme un jeu en fait, les roses. Ouais, ouais, bah normal en vrai. C'est normal, t'as un joueur qui est bon, c'est normal. C'est comme nous demain en vrai. Hein. Je pense que. Bon, GG. On a pas perdu de place. On a pas perdu de place. On a pas perdu de place. On est toujours premier et Pachinko et Execo, non? Non, non, on est troisième parce que eux derrière sont. On est toujours plus que Pachinko est quatrième, Mafia troisième, Stonks deuxième et Quantix premier. On terminera troisième de cette épreuve de jump ultra difficile grâce à Bichard. Devant les gris encore une fois, ce qui nous permet de garder notre première place à égalité avec les roses. Et à partir de ce moment-là, on double enfin les oranges, lors de notre passage à 50 millions. En cette fin de jour 6, nous prenons la tête du classement général pour la première fois de la cité. Deuxième en finance, premier en épreuve, les gris eux étant premier en finance et troisième en épreuve. Oui les gens, pour la première fois, la mafia UHC est en tête de la cité du swag. C'est pareil, s'il y a un truc, bonjour, genre on parle de casino là, mais si on... Guillaume, combien? Pour combien tu suces un pote genre? Un pote. Combien d'argent? Disconnected. Du coup, je disais qu'on va commencer à jouer du coup un jour 7 un peu particulier car il était censé se dérouler l'épreuve PVP, épreuve fétiche qu'on attendait absolument tous. Sauf que malheureusement, dû à un bug de plugin, cette épreuve a dû être reportée au dernier jour. Ça sera donc finalement la dernière épreuve et ça sera certainement l'épreuve qui décidera de notre sort et qui décidera du gagnant de cette cité si d'ici là aucun des classements ne bouge. On arrivait petit à petit à la fin de la cité et notre objectif c'était de garder cette allure, garder notre deuxième place, voire tenter de rattraper les premiers et surtout ne pas se faire attraper par les roses qui eux remontaient le classement petit à petit. Ils allaient bientôt finir par dépasser les oranges et ils pouvaient potentiellement nous rattraper. C'est donc quasi terminé pour les oranges et à partir de cet avant-dernier jour, la victoire de la cité devrait se dessiner entre trois équipes, les gris, les roses et nous. Ce jour 7 se résume donc en farm de champs et aller-retour pour déposer des carottes, puis de la neige, puis des pumpkins, puis réactiver le compte de Fuka qui était AFK pour générer encore plus de neige, puis récupérer le loot des guardians, aller tout vendre, revenir, recommencer, etc. etc. Du coup, pour résumer en quelques minutes tout ce qui s'est passé durant ces derniers jours, voici quelques clips de type best-of. 4. J'attends que ça cuit et vas-y. Ah non, non, non. Oh, t'as vu le réflexe que j'ai, frère? MDR. Pardon, là. Guillaume trop généreux. Mais arrête de l'assassiner comme ça. Mais en plus, là, je vais être de son côté, c'est la vérité. Hein, trop généreux, Guillaume. Nazi, mais là, toi, tout le temps, quand tu peux sucer la queue, tu le fais, hein. Mais frère, ta gueule, hein. Je sais pas. On s'est tapé fou, frère. Regardez, je joue sur un PC fixe, avec les écrans et tout. Mais y a PC portable. Oh non frère, non, je viens d'allumer le PC, tu sais pas ce qu'il y a pop. Quoi? Bah tu sais ce qu'il y a pop. Oh c'est ma tête. Quand j'allume mon PC portable désormais. Tu vois tu... Attends, t'es... Attends, je regarde ton stream. Ils savent pas ce qu'on manigance mec. On a en manigance rien mais bon. Mais ça bug en fait là, mais ça a bugué. Tu t'as foncé dedans genre. Titi à la sait faire Jeff Bezos, Jeff Bezos badge, c'est vraiment quelque chose qui sait bien faire. Non, et on lui demande de faire ça pour remonter le moral après, ça serait difficile. Tu peux lui dire de le faire s'il te plaît en tant que capitaine d'équipe. Titi. Mais vous allez mourir de malaise. Allez. Bon, je suis Jeff Bezos. Bonjour à tous. Ça me tue de rire à chaque fois. Merde, j'ai en train de m'étouffer dans l'eau.
Qu'est-ce qui arrive? Il est complètement fou. Mais qu'est-ce qui arrive? Pourquoi il a fait ça, les gars? Tiki Pog. En tout cas, c'est un verre qui passait pas faire. J'ai joué là. Je te croise un menteur, je m'assois tellement. Je sais pas faire. C'est faire le vélociraptor. Je sais plus faire. Je sais plus faire. Faut faire quoi? Un vélociraptor. Ah oui, c'est fou. Un vélociraptor. Mais oui, tu connais pas. On peut se connecter. Ils connaissent pas. Ils connaissent pas. Mais Yann, arrête. Ouais, let's go. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Wesh. Mais wesh, regardez. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave. En tout cas, on a vu, on a cru qu'il y avait un gars, enfin Murphy, qui avait rajouté de la clé quoi. Il se dit mais putain Murphy il a fait ailleurs mec, c'est totalement était naturel hein. tiens tu vois c'est bien mérité ça, tu vois c'est bien ouais, mérité dans ta gueule. Il y a une pyramide dans l'eau en fait. Tiens mon gars, tiens. C'est, c'est l'année où tu m'as dit Gap il a enfermé un monsieur noir dans un dans un bateau, je vous jure que c'est vrai. Mais non, mais c'est un Norman. Ça s'appelle un Norman hein. La vie frère. Pardon là. Vous appelez ça comment alors? Un Norman. Mais aucun anox là, dire des OK, t'as compris quoi. Bah non, on a pas compris. Non mais vraiment Guil a des doigts énormes, genre vraiment c'est un rouleau. Tu as des ouf. Arrête, c'est vraiment noir là. J'ai pas entendu. T'as dit quoi? Toggles perspective dans Michelanus, dans la catégorie Michelanus. Ouais, ouais. Toggles perspective avant dernier, tu mets la touche. Michelanus? Michelanus. Je sais pas, je pourrais mettre quoi? Et du genre entre Michelanus? Ouais, je pourrais mettre mage. Ça ne veut absolument rien dire, mais on comprend très bien ce que ça veut dire en même temps. Là. C'est trop marrant. Hein. C'est ce genre de truc, ça ne veut rien dire, mais on se comprend quand même. Dalil, tu veux pas te Michelanus? Mais ce n'est pas tout. Certes, il n'y avait pas d'épreuve dans ce jour 7, mais c'est également le jour de l'assaut pour nous. C'est le jour où on passe à l'attaque contre les gris. On avait remarqué que les gris tenaient encore l'end, et toute l'équipe en avait marre. Hein. Ils ont donc décidé qu'on allait les attaquer. Bon, le truc, c'est que moi, j'étais pas 100% d'accord avec ça, je trouvais pas que c'était une super bonne idée, honnêtement. Attaquer une équipe pendant leur farm 2 jours avant la fin, c'est clairement une déclaration de guerre. Comme ils sont constamment 10 ou 11 de connectés et que nous, on est que 6 ou 7, s'ils veulent nous détruire, ils peuvent très bien le faire, tu vois. Et ça permettrait sûrement au 3ème de remonter derrière, et là, ça serait totalement fini pour nous. De plus, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le début de la cité, toutes les équipes voulaient combattre les gris ensemble. Et littéralement toutes les équipes m'avaient proposé une alliance, même les gris. Sauf que j'ai jamais répondu à personne. J'ai jamais accepté une alliance au détriment d'une autre. Je gardais toujours toutes les portes ouvertes, histoire d'avoir plein de possibilités en fonction de ce qui nous arrangeait. De plus, encore une raison de pourquoi pour moi fallait pas les attaquer, c'est parce que quelques temps avant, Nanox avait déjà cherché à piller leur base en invisible. Et c'était juste magistral. Si, j'arrive. J'ai bien envie de savoir combien tu vas déposer. Ah, comme l'année dernière. Là, je suis à 5,044 millions. Ça va. Non, Dalil, ça va. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 shulkers. Bah ouais, je sais pas. Ça c'était pas prévu, non, mais ça marche très très bien. Donc on va dire que tu peux miner 4 fois plus. Tu peux mettre 3000, t'as fait les allers-retours et tout, t'es pas... 4 à 15. Ouais, t'as raison. Alors, moi je pense que tu vas faire 10 000. Si tu t'en vends 6 000, on passe pas à Pachinko. Attends, j'ai un stress là, je te mets ma fortune, elle a disparu. On fait 1,5 million, 6 000, voilà. Ouais. Ok, bon. Voilà, 1,5 million. Bizarre. Ah oui, Didi, hein. Ah ouais, non, t'inquiète, bien sûr. Ah oui, non, j'ai pas besoin de toi. Je reviens. Si quelqu'un te tue avec les shulkers, c'est Gucci. Les gars, est-ce que je peux. Les gars, je suis à nouveau dans leur truc là, j'ai des hoppers et tout. Est-ce que je peux casser les tables de craft? Oui. Bon, bah, je mets juste le hopper alors. Et le hopper, ça va être très long, les gars. C'est officiel, donc, ça fonctionne, je suis en train de loot tout leur truc. Oh, y'a des silentaires directement. Donne gros. Vas-y, raboule tout. Il avait réussi à infiltrer la base à Guardian des Gris et à détourner leur usine pour récolter lui tous les loots. Cependant, ils s'en étaient ensuite aperçus et ils avaient commencé à remettre en doute ce que je leur avais dit concernant l'alliance. Alors qu'en réalité, j'avais jamais pour projet d'aller avec eux, hein. C'était juste pour éviter une guerre diplomatique en fait. Mais bon, toute la team voulait les attaquer et comme c'est une décision de groupe, j'ai accepté et j'ai suivi. Alors, juste devant. Ouais, moi je suis pour qu'on prenne nos forces et nos speeds avant là. Oui, je suis d'accord. C'est une mine. Et en gros, dès qu'on lance le go, on se met derrière eux, on a déjà nos potes. Dès qu'on lance le go, on met nos stuff et on crame le mec qui est devant nous. Vas-y, on y va. Ok, ils savent qu'on est là. Ils ont mis des trucs à feu d'artifice pour les invisibles. Non mais ils savent que je suis là. Ah ouais, c'est tombé. Quoi? Ils sont là. Go. Viens, Titi, vas-y. Ah, ils m'ont capé dans le deck. On perd, on perd. Je fight. Ouais, c'est bon, vas-y, je suis là aussi. Chabak. Ils sont là, moi, reste. Attends. Ils sont beaucoup, hein. Chabak, c'est pas bien. Bax mort. Allez, c'est bien joué. Je mors. Y'a trop de gens. Oh, mes gars. Oh my god. Ok, GG. J'ai KB2. Oh la merde. Je suis au milieu, je suis revenu au portail. Je suis en bas. Je suis mort. Daiko. C'est qui l'invisible là? Derrière.
Il y a un mec invisible hein. Mais en fait, ils sont beaucoup trop les gars, ils sont beaucoup trop. Mais non, mais non. Mais non, ils sont pas beaucoup trop. Mais oui, mais oui, on a trop mal joué. Ils sont trop mecs, ils ont pas de vie. Voilà, je me doutais quand même qu'on allait perdre. Mais il y a quand même un point positif à cette défaite, c'est qu'au moins on n'a pas enragé les grilles et ils ont même l'air d'avoir plutôt apprécié l'affrontement. Résultat des courses, ils nous ont laissé l'end après pour farmer tranquillement. What the fuck. Avant-dernier jour de la cité. Toujours la même stratégie, tenir le cap, tenir le classement, essayer de réduire l'écart entre les premiers et essayer de distancer les troisièmes qui du coup maintenant sont les roses. Et surtout, s'assurer une première place en épreuve. Et celle d'aujourd'hui était décisive. Il ne restait que deux épreuves en sachant que la toute dernière était le PVP et on devait normalement la gagner. Donc en théorie, si on faisait une bonne perf sur l'épreuve d'aujourd'hui, ça commencerait à sentir plutôt bon pour nous. On est toujours premier de la cité sur le classement général, personne ne nous a dépassé en finance encore, donc tout va se jouer sur cette avant-dernière épreuve. Et ça tombe bien parce que c'est la plus grosse épreuve, le bingo. 25 cases, des achievements compliqués à réaliser, des items à crafter, 3 heures pour en réaliser le plus possible. Parmi eux, on trouvait par exemple la patte de lapin à avoir, la tête de Wither, l'achievement faire passer un ghast dans l'overworld, obtenir un totem, etc. Pour cette épreuve, on avait eu le bingo en avance et nous étions autorisés à avoir 6 joueurs maximum, même si on pouvait être moins. Évidemment, on y est allé à 6 puisque vous doutez qu'on a voulu focus les épreuves un maximum. Qui dit 6 joueurs dit possibilité de se répartir les tâches. Et c'est sur ça qu'a bossé Restom tout l'après-midi pendant que moi je m'occupais des poulets vu que Titi était parti en vacances. On est arrivé à ce résultat-là. Dalil s'occupera de tout ce qui est temple aquatique et les objectifs qui concernent le monde sous-marin. Une fois sa mission terminée, il partira aider les autres. Gep s'occupera de tous les objectifs simples qui sont faisables en solo. Nanox lui s'occupera entièrement de la recherche du totem, puisqu'il faut faire un cartographieur, etc. Bref, c'est super long et j'y connais rien. Restom s'occupe des objectifs du Nether, à savoir la tête de Wither, faire passer le ghast dans un portail et récolter de quoi faire respawn le dragon, c'est cet objectif là en fait. Je le suivrai d'ailleurs dans le Nether, puisque moi je partirai récupérer les Blaze Rods pendant que Bichard farmera les perles. Nous deux on s'occupera de toute la partie end. Un village, okay. Petit, un village. Moi je me souviens, mais viens, 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 viens Océan, de mon côté. Ouais, avec... Attends, on part okay, du même côté, non? Ok, je vais combiner un diamant. Oh, bien joué. Je vais gagner cet event pour l'eau, les gars. Je vais gagner cet event pour l'eau parce que Pusher elle peut pas jouer. Ouais, c'est plus fun que ça. Il y a vraiment pas de bouffe, hein, par contre. Hein. C'est un peu l'enfer de mon côté. Moi j'ai besoin de pas mal de bouffe là pour le Nether, pour les Blaze. C'est vraiment pas terrible. Moi je des pommes. Putain. Voilà, peu de fleurs. Quoi, la citrouille? Ah, ok. Et la lumière fuit. En vrai, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais prendre pas mal de bois aussi pour faire des soupes dans le Nether si jamais c'est la sauce. Ok, c'est bon, j'ai la pâte. Oh, nice, ça c'est bien ça, ouais, j'avoue. Puis dans un Mesa, hein. Ok, parfait, t'as fait un biome en plus. Garde le portail, on fait ici le portail. Ah, du diamant, c'est qui a besoin de diamant en vrai là. Je peux faire pioche et bot si vous voulez là. Vas-y, vas-y. Une fois une pioche. J'ai deux diamants. Bot. Ah bah, je vire. Hein. Moins 900, 700 le jungle. Portail prêt, portail prêt, je. Merci. Quoi? Ouais, mais y a, dans les igloos, il y a tout. Tu trouves une forteresse, tu me dis. Ok, 3700 moins 200. Ok, parfait, j'arrive, je vais tuer les gars, moi. C'est la bouffe qui me fait un peu peur, en vrai. Ça va, je me tâte à installer vite fait le mode de Dream là. Okay. Boum! J'en ai 8, Michard. Je suis déjà dans l'overworld. Et à partir de ce moment-là, c'est là que ça a commencé à se compliquer pour nous. Aucun Enderman, zéro. Dalil a même eu le temps de finir tous ses objectifs avant qu'on puisse commencer les nôtres. Il nous a donc rejoint pour les aider. Et après beaucoup trop longtemps. Ah ouais, Gap, t'es où? Je suis en 3500 moi. Dieu de la RNG. C'est bon, moi aussi je l'ai, c'est bon, allez, c'est bon, on y va. Je vais te donner les larmes de gaz, c'est tout. Hein. Faut que je fasse Space Bubble là en fait, on peut pas passer. Oui, je sais, mais on s'en fout. Oui, mais je suis là, je t'attends en fait. Ok, bah j'arrive dans 150 blocs. Mais moi je veux juste te donner de quoi faire respawn le dragon, on est d'accord. C'est nous qui avons fait l'ouverture du portail. Surveille et shoot-le si jamais. Mais je comprends pas. GG. Les os, comment ça, bon, les si os ça marche pas, c'est pourquoi les os? Pendant qu'on s'occupait donc de l'end grâce au portail que Dalil avait trouvé totalement aléatoirement en cherchant le temple aquatique, ce dernier était parti aider Restump qui lui galérait de fou pour faire passer le ghast dans le portail. Il sera d'ailleurs bien assez vite rejoint par Nanox qui avait réussi très peu de temps avant son objectif du totem. A eux 3, il devait faire passer un ghast dans un portail et le tuer ensuite dans l'overworld. Et autant vous dire que ça a été une galère sans nom pour eux. Je l'ai guigui, je l'ai guigui. T'as les électras ou pas? Les électras? J'ai le bateau. T'as le bateau là. T'as le bateau. Je me casse ou pas? Tu te casses. Note des coordonnées au cas où. Ouais, j'ai envie de pleurer de joie, frère là. Bah, oublie pas la shulker. Sauf que s'ils spawnent de l'autre côté, on est dans la merde. Non! Non! Tu les pigmen, s'il te plaît, Dalil. Le ghast m'a tué, j'étais en micro. Les pigmen m'ont tué aussi. C'est quoi cette dinguerie, frère? Ok, il est parti. Mais non! Mais c'est pas possible! Ça me marche pas quoi? Putain. C'est juste que ça me marche pas en fait. Mais ok, il vient tout seul. Il vient tout seul. Il vient de mec, il vient tout seul. Ouais. Yes. Ah, depuis là, ça a marché. Merci Dalil. Après avoir triomphé du ghast, il ne nous restait plus qu'à faire respawn le dragon pour Nanox et c'était terminé. De mon côté, je rejoins alors Restum pour l'aider sur les derniers objectifs et on arrive rapidement à la fin de notre bingo. Et il manque plus qu'un, c'est les ice spikes. Parfois, c'est vivant. Il manque plus qu'un biome. Non, mais c'est bon, Bichard, les gars. Bichard, faire les potes. Elle est où la carotte dorée, les gars? Ah bah ça y est. Normalement, il manquait une taiga d'NL. C'est récent. Yes. Je
Let's go. Nice. Allez, allez mon gars. Oui, mets-les dans l'endroit. Pitié que ça marche. Hein, pitié que ça marche. Ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne. Je l'ai testé. Peut-être. Yes, 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 mon gars. Allez, il manque une. C'est trop dur, j'en trouve pas. Il nous restait alors une dizaine de minutes pour terminer le dernier objectif, c'est-à-dire reproduire une espèce de chaque animal. Et il ne manquait plus qu'un seul animal, le chat. Seulement bon. Je suis en moins 1300, mais y'a rien. C'était vraiment 10 blocs. Là, c'est un putain de chat qui. Un vieux matou de merde là. Miaou. Y'a rien. Et tuez les mobs, tuez les mobs, tuez les mobs. Les gris sont deuxième et les roses sont premiers. Allez, ça va, hein. On n'aura pas les résultats. GG les gars, GG les gars, GG. Alors, déjà, GG. Slash Liv. On est premier, on est premier. Oh yes, yes, yes. Oh non, Pachinko est deuxième. Yes. On s'en fout qu'il soit deuxième. On s'en fout. Yes. Oh là là. Let's go. Mais comment on est premier? Let's go. Il fallait clear la jungle pour les oslo. Ouais, c'est ça. Il fallait clear la jungle pour les oslo. Ouais, il fallait casser. Putain. Et oui, nous gagnons cette épreuve. On a vraiment beaucoup trop géré malgré notre malchance sur les Enderman. On a eu, je pense, une organisation parfaite. Et ça a payé, c'était parfait. Bref, on garde donc la tête du classement épreuve et on était quasiment certain de finir premier de ce classement. Seulement, petit problème. Lorsqu'on regarde un peu en dessous du classement, on voit que les roses et les gris ne sont plus qu'à un point dans le classement épreuve. Et le lendemain, c'était l'épreuve PVP, la dernière épreuve. Si tout se passe bien normalement, le classement devrait être le suivant. Nous, premier, les gris en deuxième, ou alors l'inverse. Sauf que si ça venait à arriver, ça veut dire que les gris remonteraient au minimum à égalité avec les roses, donc en deuxième position du classement épreuve. Et ça, c'est très problématique. Parce que s'ils sont premiers en finance et deuxième en épreuve, alors ils remporteront la cité quoi qu'il arrive. Car nous serons à égalité avec eux. La dernière épreuve du dernier jour allait donc être décisive. C'est cette épreuve qui allait décider qui allait gagner la cité. Le format de cette dernière épreuve était donc celui du Twitch Rivals. C'est cette épreuve-là qui allait définir la fin de la cité. Du 5v5, deux phases de poule et des affrontements en arbre en fonction du seeding. Dans la situation actuelle, les gris étaient bien partis pour arriver jusqu'en finale et tomber contre nous. Sauf que même si on gagnait cette finale et cette épreuve, bah c'était perdu pour nous si les gris arrivaient jusqu'en finale. Parce qu'ils dépasseraient d'un point les roses et ils remonteraient à égalité forcément avec eux dans le classement épreuve. Il fallait donc qu'on trouve absolument un moyen de les faire perdre avant. On a donc tenté le tout pour le tout avec une dernière stratégie tirée par les cheveux. Nous allons faire exprès de perdre deux des trois matchs de poule pour finir dernier de notre poule et tomber contre les premiers de la poule adverse. Et si tout se passe bien, les premiers de la poule adverse, ça sera les gris. Si cela fonctionne, on tomberait contre eux en quart de finale, et si on les élimine à ce match-là, ils finiront 5e minimum. C'était notre dernière carte à jouer, on n'avait pas le choix que de tenter. Manipuler le matchmaking pour remporter la cité, c'était notre dernière chance. Pour cette dernière épreuve, nous avons donc envoyé notre meilleur groupe de 5, Gep, Nanox, Restump, Nartko et Bichard. Cap les gars. Hits. Mais j'ai hors de qui, je vais pas aller là-dedans. Venez, on peut monter dessus. Je suis derrière eux, je les. J'arrive. Ça va être Gap, moi. Qui est Fireman? C'est moi. Tu vas, tu m'as coup. Ah non, il est en face. J'ai mis une patate. Il se fuit, il se fuit. Go, go, go. Ok, il a pris trop cher, Enchaîné, enchaîné. Ouais, go. Gum. Je peux pas. Il y a lui sur moi, il est sur moi tout seul. Ben, c'est un rack de fou. Pardon, tu meurs. Je suis en 2v1. Non, mais c'est bon, vous avez l'heure, hein. Juste meurs pas pour rien. Ok, c'est à gauche. J'ai rafale, c'est à gauche. En vrai, j'ai pris kill perché, mais je me sens d'aller en mêlée, les gars, quand même. Les gars, je prenais. Putain, je fais combo. Non. Je gap. Les gars, putain, enfer. Les gars, tourne pas sur moi. T'es meilleur. Oh, le bombo, Vas-y. Oh non, mais merde. Les gars, je suis perdu. Mais ils vont se tuer entre eux. Oh, il m'a poussé. Oh là là. J'ai les gars. J'ai eu masse par contre, j'ai bien joué mais. Backstabbing. Je peux pas monter, moi j'ai pas le temps de monter. What? Mais il m'a déchiré, frère. Mais tu posais bloc pour monter. Mais Darkman m'a déchiré, hein. Moi je me suis fait drop à l'arc, hein. J'ai pas eu le temps de vie, hein. Mais ils m'ont déchiré, hein. C'est d'accord, mais oh, c'est vrai. Après les phases de poule, une victoire et deux défaites. La victoire sur le premier match servait juste à faire croire aux gris qu'on ne manipulait pas le matchmaking pour pas qu'ils fassent exprès de perdre après pour nous éviter. Mais là, normalement, c'était bon, les gris étaient premiers et nous on était forcément derniers. Fukano eSport est premier, Polycube est deuxième, Besvartak est troisième et nous on est dernier. On affronte les gris au premier tour. Vous avez gagné les gris, hein. Oui. Ils sont premiers. Ils sont premiers, on est derniers. Et en fait, pas du tout.
On termine ces phases de poule égalité avec les troisièmes, les Sion, qui eux aussi avaient une victoire et deux défaites. Et ce qui nous a départagé, ce n'est pas le résultat sur la confrontation contre eux, auquel cas on aurait fini quatrième vu qu'on a perdu contre les Sion, c'est le nombre de swag coins qu'on a par équipe. Et donc vu qu'on était devant en finance, on a été classé troisième des poules. Désillusion totale. Et là, c'était la fin. C'était la fin de notre cité, puisqu'on tombait contre les roses directement en quart de finale, vu qu'ils avaient fini eux deuxième de leur poule. Donc on savait que si on les battait, bah les gris allaient forcément finir devant eux, et si on perdait, bah on finissait derrière les gris de je sais pas combien de points, donc c'était terminé. Voilà, c'était la fin de notre cité, c'était la fin de notre morale aussi, parce qu'on était complètement dégoûté, notre stratégie avait presque fonctionné finalement, et on comprenait juste pas pourquoi c'était comme ça que ça avait été départagé en fait. Le groupe était d'ailleurs tellement tilté qu'ils ont perdu leur premier match contre les roses. Je me casse hein. Fais gaffe, Nanox! J'ai deux cœurs, hein, si jamais. Ils sont sur moi, les gars! J'ai plus rien! J'ai derrière vous, les gars! Venez, venez, venez! Go, tous maintenant! J'ai mis des. Ça m'a cassé les couilles! La merde! Tant pis! Et inutile de vous montrer la suite de l'épreuve parce que même s'ils ont tout gagné, ils ont terminé 5ème. Les gris et les roses étant allés jusqu'en finale, on termine donc à la 5ème place sur cette épreuve, ce qui nous fait chuter 2ème sur le classement épreuve, égalité avec les gris. Et là, on savait malheureusement que c'était terminé. C'était le dernier jour, on savait qu'il y avait plus d'autres épreuves derrière, on savait qu'on avait plus trop de temps pour déposer et rattraper les gris. Voilà, il fallait tout tenter, on n'avait pas le choix. C'était ultra risqué, mais sans ça, bah, on n'avait aucune chance de gagner cette cité. Malheureusement, ça n'est pas passé. Et à partir de ce moment-là, il ne nous restait plus qu'une heure avant la fin de la cité, puisque c'était le 9ème et dernier jour. On savait que c'était terminé, on savait qu'on pouvait plus remonter, et on finir deuxième de la cité minimum, malgré le fait qu'on ait tout essayé, donc aucun regret. Dites-vous qu'on était tellement déterminés à remonter et rattraper les gris dans le classement finance, que pendant que les autres étaient en train de disputer l'épreuve, nous avec Lo et Dalil, on a cassé la machine à Guardian, et on tuait les Guardians à la looting 3 quand ils tombaient, pour que ça génère 3 fois plus de loot et qu'on essaie en 2-3 heures de rattraper les quelques millions qui nous manquaient quoi. Et le pire c'est que ça a failli fonctionner, on a fait une remontée insane à la fin, on a failli dépasser les gris, rendez-vous compte. Alors qu'ils avaient je sais pas combien de millions d'avance depuis le tout premier jour quoi. C'est juste dommage que malheureusement la stratégie on l'ait trouvée que 3 heures avant la fin. Voilà, bon, on n'aura pas de top 2, on n'aura pas de top 1, même si on était top 1 dans notre cœur sur les épreuves. Je pense que c'est. On est éternel deuxième, malheureusement. Et du coup, notre pire épreuve, c'est le PVP. C'est quand même incroyable. Notre meilleure épreuve, c'est le bingo et les têtes. GG, les gens, c'est fini. GG, GG. On finit à 82 millions, c'est pas mal en vrai. GG à la team de Pachinko. C'était serré. Nous avons en première position les Pachinko avec 89 millions. Ils ont pas atteint les 90 millions ni les 100 millions. Les deuxièmes, la Mafia UHC, qui ont essayé de rattraper la Pachinko ces derniers jours. Qui ont d'ailleurs, je pense, à quelques jours près, ils les rattrapaient parce que l'écart était en train de se réduire avec 82 millions. L'annonce des résultats tombe donc, on terminera deuxième de cette cité. Aucun regret encore une fois. On se sera battu jusqu'au bout, on aura tenté les stratégies, quitte à ruiner notre classement épreuve, quitte à ruiner notre épreuve fétiche, alors qu'on avait carrément la première place gratuite dans ce classement épreuve. On aura, je pense, prouvé qu'on sait faire autre chose que juste du PVP sur Minecraft. On aura construit des usines, on a farmé des dizaines d'heures entières sans s'arrêter, sans pause. On aura quasiment réussi à finir en haut du classement épreuve en réussissant le bingo, le jump, la recherche des têtes. Même le build, pour moi, c'est une réussite, je trouve. Donc voilà, je suis fier de ce qu'on a fait, je suis fier de ma team, et j'espère que vous avez été fiers de nous aussi. Je tenais aussi à vous remercier énormément, vous avez été des milliers à nous suivre en live tous les jours. Les stats sur mes lives, c'est du grand n'importe quoi. Grâce à vous, on a même terminé top 18 streamer français du mois dernier, et 4ème streamer français général sur la semaine de la cité, c'est vraiment n'importe quoi. Merci infiniment pour tout, et j'ai encore une bonne nouvelle pour vous dans quelques minutes, parce qu'attendez encore un peu, cette cité n'est pas encore totalement terminée. Il me reste une dernière chose dont je dois vous parler. Dans la semaine, Bichard nous avait fait découvrir un artiste de talent, un rappeur nommé KLM, qui fait du très très bon travail sur sa chaîne YouTube d'ailleurs. Il a un talent monstrueux, voilà. Et disons que vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive. Mesdames et messieurs, voici pour finir en beauté cette cité du swag. Y'a Bichard dans la team qui fait zéro swag mec. Mais des femmes poteaux c'est vrai qu'il en a fait, c'est toujours un pec. Des boules de neige, un poison et ça se répète. Comme en 2012, poteau qui est très. Et le prochain que je vais citer n'est jamais venu dans la cité. Alors Gap on est en retard, je veux pas te féliciter. Tu dis c'est la farm à la part un poulet. Que des graines dans les chests pour les nourrir et les tuer. Tout joueur, c'est la sélection à la DJ des champs. Ça farme toute la journée comme Pologa. Mais Pologa, ça fait que des champs. I know you know where they are, so Bichard dans la team qui fait sur swag mec. Mais des fins poteaux c'est vrai qu'il en a fait, c'est toujours un bec. Des boules de neige à foison et ça se répète. Comme en 2012, poteau qui est trek. Et le prochain je vais citer n'est jamais venu dans la cité. Gap on est en retard, je vais pas te féliciter. T'es dit c'est la femme à la part un poulet. Que des graines dans les chaises pour les nourrir et les tuer. Tout joueur, c'est la sélection à la Didier Deschamps. Ça ferme toute la journée comme Pologa. Mais Pologa, ça fait que des chants. Ouais, que des enfantillages. Yeah, Fukano m'en remina. Yeah, deuxième de l'event à cause de lui. Mais c'est pas grave, pas grave, pas grave. Yeah, ils m'ont dit, tu devrais jeter l'éponge. Deux heures, dis les bichards ont toujours pas trouvé d'éponge.
yeah, yeah. Et quand ils les ont trouvés, yeah. Gilly mort tout seul que du sème dans l'air à ce qui paraît Dalil. C'est le vendeur qui fin paille des morceaux en 20 fois Yann. Prends la place de Nagato. Mathématicien du groupe, il connaît tous les taux. On préfère les 20 PVP, nous pas du jump que du PVP, des assauts à la restump. Tu, Amanda, forme l'opsi et la clé. Pour winner le farm, c'est la clé. Se débarque, on est des claques, on est des craques dans la cité. Des cartonnés éclatent, on s'esclave. On règle des bâches, on pille, on fait fâche. Contre les gris, ça reste du pile ou fâche. Yeah. Dès que ça sort de là-bas, ça prend la barque. Ça clear l'arco, non, plus jamais dark. On est toujours précis comme Kinstar. Ninja, je fais de la farm à Pumpkin ou Start. Dans la team gris que tu tryhard. Dans la team gris que tu tryhard. Tryhard, tryhard. Dans la team gris que tu tryhard. Dans la team gris que tu tryhard. Toujours enfermé dans un dôme. On les graille facilement comme Freedom. Mais pour l'instant, on graille que Freedom. Ah oui, aussi, j'ai encore une dernière chose pour vous dans cette vidéo. Si vous avez raté cette cité et tous ces moments épiques, pas de soucis, vous pouvez encore vous rattraper. Rendez-vous dans très peu de temps pour la Cité des Nations. Je ne peux pas encore vous donner les dates précises, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est dans très peu de temps, c'est en août. 5 équipes internationales, des streamers du monde entier que vous connaissez forcément, par exemple un petit nom comme ça d'une équipe, il est pas très connu, vous le connaissez pas forcément, et une team française de choc que je suis encore en train de composer avec de très beaux noms. Une team France, une team Espagne, une team Italie, une team Allemagne et une team USA slash UK. 100 joueurs qui s'affronteront pendant une semaine. Rendez-vous début août sur ma chaîne Twitch pour une nouvelle semaine intense. L'objectif est simple, gagner pour la France. Je vous tiendrai au courant pour les dates très prochainement, dès que j'aurai droit de communiquer dessus. Voilà mesdames et messieurs, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Vous vous doutez que c'est facilement la vidéo qui m'aura pris le plus de temps de toute l'histoire de ma chaîne YouTube. Je me rends même pas compte du temps que j'ai mis, je voyais plus la fin en fait. D'habitude je le rappelle juste, mais là je vous le demande vraiment. S'il vous plaît, si vous avez aimé cette vidéo, mettez votre meilleur pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Exactement comme tout le contenu que je propose. Et donc s'abonner à cette chaîne, c'est le moyen le plus simple de me soutenir dans ce genre de projets qui sont complètement fous, qui me prennent des semaines entières. J'ai passé des nuits blanches sur cette vidéo là, j'ai sacrifié toute ma vie entière sur une semaine, et c'est certainement la vidéo dont je suis le plus fier de ma chaîne, et j'espère que vous l'avez aussi appréciée. Merci encore pour tout le soutien en live, j'espère que vous viendrez me soutenir tout pareil pour ma troisième cité dans quelques semaines, quelques jours même en réalité, celle-ci risque de moins rigoler, une toute nouvelle aventure qu'on vivra ensemble j'espère. Ça se passera sur ma page Twitch, là où je stream tous les soirs des UHC avec les potes et vous-même, donc n'hésitez pas à passer me voir tous les soirs, j'y suis actif tous les jours contrairement aux vidéos où je suis un petit peu moins actif parce que c'est un petit peu plus long quoi. Merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo, j'espère encore une fois qu'elle vous aura vraiment plu, je vous mettrai tout plein de liens en description, les vidéos des autres potes sur cette cité, les events en entier si vous voulez les voir sans cut, et évidemment l'entièreté des rediff aussi si vous voulez voir cette cité dans son intégralité. Je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi, une très bonne soirée, une très bonne journée si vous regardez cette vidéo le matin. Et je vous dis à très bientôt les amis, merci encore pour tout.